Et salut tout le monde, c'est Snipey44 et re à ceux qui étaient sur le live de Dragon Ball tout à l'heure. Je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là lors du dernier live très rapidement. On devait aller sur la planète Noveria pour suivre la nana là, Benezia. Je sais plus quel est son statut dans le jeu. En gros, on devait la suivre pour l'éliminer en quelque sorte, ou en tout cas enfin, la foutre en prison, ou on ne sait quoi. Il s'avère que sur la planète où elle se trouve, eh bien, elle est infectée d'insectes géants un peu bizarres. Et aussi l'intelligence artificielle qui gère le site de la planète, parce que c'est une planète où il y a des recherches scientifiques. A complètement buggé du coup à cause de ces insectes. Nous avons réussi à réparer l'intelligence artificielle et nous avons rejoint enfin pour la première fois des humains sur cette planète parce que on n'en avait pas encore vu. Et ensuite mon jeu a crashé et là j'ai mis fin au live donc du coup on se retrouve dans cette zone où on devait chercher un infirmier pour tout simplement trouver des indices sur la cause du fait qu'il y ait plein d'insectes et je sais pas pourquoi je prends ma manette dans les mains étant donné que je suis sur PC, que je joue au clavier et à la souris. Et salut Adrian. Continuez. Hop. Et donc voilà, on était ici, hein, j'espère que vous vous souvenez bien. Et là, je devais chercher l'infirmerie, que je n'avais pas trouvé. Hein, j'avais été par là-bas et il y a des tourelles et je suis passé comme un bourrin et du coup tous les humains voulaient me tuer. Et là, mon jeu a crashé d'un coup. Et là, on va passer donc par l'infirmerie, qui était notre objectif de base. Je savais que vous auriez un remède. Alors n'hésitez pas à me le dire si le son du jeu n'est pas assez fort ou s'il est trop fort. Quoi? Que voulez-vous? Changer de ton. J'ai eu une journée difficile. Ne me gonflez pas. Je te casse la gueule, moi. Désolé, c'est le manque de sommeil. Ils sont malades. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont infectés par une toxine. Il y a eu un accident. J'ai signé un contrat de confidentialité. Je ne peux pas en parler avec quelqu'un d'étranger à la société. J'ai signé un contrat, mais je ne veux pas en parler avec quelqu'un d'étranger à la société. Mais vous en avez envie. Mais vous allez le faire parce que je peux. Et Adrian, je me pose une question. Est-ce que tu es quelqu'un que je connais personnellement? D'importance à nos vies qu'à ses secrets. Vous connaissez Mira, l'intelligence virtuelle du pic numéro 15. Elle gère les protocoles de sécurité des expériences menées ici. Je l'ai réparé. On l'a réactivé en allant à la station centrale. C'était vous? Merci. Tant qu'elle n'est pas en ligne, l'équipement automatique ne fonctionne pas. Nous avons perdu la connexion avec Mira au beau milieu d'une expérience. Et la quarantaine a été interrompue. Ces trois-là ont été exposés à une toxine, un projet sur lequel on travaillait. Dites-moi tout ou je t'éclate l'anus. J'ai besoin de votre entière collaboration à l'aide de mon pour fusil. Vous aider. Vous voulez que ces gens vivent? Sinon, je m'en vais. Non, attendez. C'est une arme biologique. Elle est basée sur la forme de vie exogène que nous avons découverte à la frontière. Ils voulaient quelque chose qui puisse détruire cette créature. Mais un produit destiné à éradiquer une seule espèce ne présente pas d'intérêt financier. On l'a donc amélioré, on l'a adapté pour qu'il puisse s'en prendre à d'autres espèces. La Taurus B s'attrape facilement, mais elle ne peut pas passer d'une personne à une autre. C'est comme une attaque biologique sans risque de pandémie. Enfoiré de Galarien, toujours à faire mumuse avec les bactéries. Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, les militaires finiront par mettre la main sur ce genre d'arme. On essaie de limiter les dégâts. Je sais que vous ne pouvez pas le comprendre. Il n'y a pas de remède? Vous avez créé ce truc sans pouvoir le soigner? Vous n'apprendrez donc jamais? Notre priorité, c'était de faire en sorte que ça fonctionne. On avait presque synthétisé l'antidote quand Mira est tombée en panne. Nos documents et notre équipement sont enfermés dans les labos de quarantaine. Le capitaine Ventralis ne veut prendre aucun risque de contamination supplémentaire. Je vais être très persuasif, je ne suis pas si scientifique. C'est dangereux là-dedans? Il a raison d'empêcher les gens d'entrer? Non. La toxine ne reste pas viable très longtemps. Ensuite, elle se rompt en une multitude de chaînes de protéines. Mais il refuse de m'écouter. Je peux être très
persuasive. Je vais essayer de lui parler. Je peux peut-être le convaincre de me laisser essayer. Je ne peux pas officiellement vous demander de le faire. Mais si vous pouvez faire quelque chose, je vous en serai très reconnaissant. Ok. On peut les aider. Comment trouver un remède pour ces trois-là ? Les labos de quarantaine sont situés près des quartiers de l'équipe scientifique. Une fois à l'intérieur, cherchez nos documents. Ça ne devrait pas être plus compliqué que ça. Ok. À plus tard. Au revoir. Bisous, bisous, monsieur le scientifique. Bon. Oh non, pas toi. Toi, je veux pas te parler. Dégage. Vous êtes malade ? Je peux vous soigner si vous voulez. Tu mets fin à tes souffrances, enfoiré. Dommage, on peut pas les tuer. Bon. Alors. Du coup, normalement, j'ai plusieurs objectifs. On va voir ça. Donc, ouais. J'ai la quarantaine et j'ai Benedia à aller flinguer. Alors, celle-là, je l'ai faite. Ça, c'est bon. Donc, on va aller en quarantaine avant. Alors, je dois trouver Ventralis. Qui doit être sûrement le commandant. Alors, pour ceux qui voient la différence graphique qu'il y a, tout simplement, mon jeu crachait à cause du mod que j'avais installé. Et donc, pour cette planète, en tout cas, pour le moment. Eh bien, c'est quoi cette bug? Pour cette planète, je joue sans mode là, je joue avec le jeu de base. Vous avez besoin de quelque chose? Je vais aider le docteur Cohen. J'ai entendu parler des problèmes rencontrés dans le labo de quarantaine. Par contre, Adrian, pas de mots tout seul sur le chat, s'il te plaît. Écoutez, je ne demande qu'à aider ces gens, vraiment. Ça fait partie des règles que je viens d'afficher. Non, on peut le prendre. Non, ce n'est pas contagieux, je devrais faire un rapport. Nous, on peut le prendre. Nous ne faisons pas partie de votre plan de défense. On ne fait que consommer des rations et du médigel en plus. Ouais, mais vous avez également des armes en plus. Très bien, vous voulez mettre votre vie sur la sellette, c'est vous que ça regarde. Je vais m'arranger pour que le garde vous laisse entrer, mais il verrouillera la porte derrière vous. Il vous fera subir un scan complet avant de vous laisser sortir. S'il y a le moindre problème, vous restez à l'intérieur. Si c'est nécessaire. Si c'est le seul moyen de nous laisser entrer, je marche. Je vais mettre le garde au courant par radio. Bonne chance. Merci. Donc du coup, je sais où je dois aller. C'est là où j'étais passé lors du dernier live et que je me suis fait canarder. Et que j'ai crashé. Allez. Là, logiquement, je devrais être autorisé à passer. M'autoriser ? Attention, protocole de sécurité Watchdog activé. Veuillez contacter un agent pour toute opération de maintenance. Tali, tu fais quoi ? Tu danses ? Tu fais de la breakdance ? Yeah ! Bouge ton boob ! Enfin, bouge tes boobs. Bouge ton ass. N'importe quoi. Bon. Peut-être que je parle à lui là. Vous avez une clope ? On est tous à court. T'es sérieux là ? Espèce de fumeuse. Qu'est-ce que vous regardez là ? Attendez, je vais regarder le journal là parce que. Donc, quarantaine. Donc, lui, on lui a parlé, c'est bon. Le labo isolé. Hein ? Bon. Quand ça se fait que je peux pas passer. Le truc, c'est que si je le pirate, ça va faire comme la dernière fois. Je vais pas cracher, hein, mais je vais devoir tuer tous les humains. Ah, on peut parler au drone. Je vais te parler. Non, et toi? Il faut que je me réchauffe. Rien à tuer dans le coin. C'est la planète bug, ouais, comme dit Audrey. Par contre, peut-être que je parle à un scientifique. Vous n'allez pas au laboratoire par hasard? Comme ça se trouve, c'est pas par là que je dois aller aussi, hein, tout simplement. Ah, là, il y a des trucs à récupérer que j'avais récupéré la dernière fois. Alors, tenter un overdrive manuel. Oui, tout le temps un manuel. Voilà. Fuck.
En tout cas, je peux vous dire que j'ai bien galéré pour récupérer, enfin retourner dans la zone où on était quand ça a crashé. Parce que si vous voulez, premier essai, je suis mort face à des monstres. Donc j'ai dû recommencer encore tout à zéro. C'était un peu chiant. Mais bon. J'ai réussi maintenant. Toi, j'aimerais bien que tu me répètes. Vous avez quelque chose? Ah bah non, je ne dis rien. Je ferai n'importe quoi pour un P204. Je comprends pas. C'est peut-être par là. Peut-être que maintenant les portes qui étaient fermées sont ouvertes. Je vais bien voir. Ah, déjà, vous voyez qu'il y a un point d'exclamation qui est apparu sur la map, donc ça devait être ça. Mon objectif est à 7 étages. Je sors mon arme parce que les monstres sortent de nulle part ici. Putain. Donc là, bah non, c'est pas ici. Que là, je retourne vraiment trop en arrière. Ah. Voilà. Ça déjà, c'était fermé à la base. Donc là, ça nous emmenait encore plus bas. Alors l'écran noir, c'est normal, hein, je vous rassure. On a très peu d'enjeux. Et toi là? Il s'appelle comment? Yaroslav Tartakovsky. Vous venez sécuriser le complexe? Dans un sens. Si par sécuriser, vous voulez dire massacrer tous les monstres, alors oui. Je comprends que vous soyez énervé. Mais ce qui arrive ici, c'est notre faute, vous voyez? Voyez? Parlez, mais vite. Tournelix a trouvé un œuf sur un vaisseau très ancien, qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Rachni. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Cet œuf était une entité, ils l'ont fait éclore, je l'aurais écrasé. Je lui ai demandé s'ils l'ont fait éclore. Et ils l'ont rapporté ici pour le faire éclore. Twin Helix voulait cloner les Rachni, les produire à grande échelle pour créer une armée. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'œuf n'était pas celui d'un vulgaire Rachni. C'était un œuf de reine. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rachni seraient plus obéissants. Le temps presse. Tout ça est très intéressant, mais nous ne sommes pas venus ici pour bavarder. Ces Rachni sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique. Et puis merde. J'ai d'autres choses à faire. Et vous croyez que moi, j'ai choisi de rester ici? Le système Mira ne va pas vous laisser partir. Question de sécurité, vous voyez. Si vous partez sans éliminer les Rachni, ils risquent de se répandre. J'ai pas besoin de tout faire exploser. Hein. Je vais les avoir manuellement. Ça me donnera plus de points d'expérience. Espèce de noob. Bon. C'est quoi ça? Connexion. Oh non, pas elle. J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Que désirez-vous? J'aimerais en savoir plus sur la bombe neutronique. La bombe neutronique est un dispositif de sécurité. Ah, Yato, elle a pas réussi à suivre ce qui s'est passé. Elle est utilisée comme dernier en gros, recours en cas de détérioration. On est rentré dans cette zone pour la désinfecter. Mais on ne peut pas y ressortir tant qu'il y a des monstres dedans. Apparemment. À plus tard. Merde. À plus tard, commandant. À plus tard, commandant. Fonction activée. Donc ça, elle va répéter. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquat. Où trouver le code? Quelles sont les personnes qui connaissent le code? Yaroslav Tartakovsky, comme par hasard. Opérations, ou tout autre cadre supérieur de Twin Helix. Bah, il est juste à côté. Je vais aller lui demander. Monsieur, je vais être un petit peu plus gentil avec vous. Parce qu'apparemment, on est obligé de tout faire péter. Vous revoilà. Vous avez trouvé une clé d'activation? Moi, ça va pas fort. Comment activer la bombe? Qu'est-ce que je dois faire? Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé et ensuite je donne le code à Mira pour... Oh.
Je t'ai tentaculé. Wow, il fait crever moi. Saleté de bestiole. Ah, j'ai son journal. Alors le code. Non, du coup. Code acquis. Ok, bon, j'ai pas besoin d'aller voir c'est quoi le code. Shepard le dira toute seule. Assez cliché cette scène, j'avoue. On s'y attendait un peu. Enfin, moi, je m'y attendais quand j'ai fait la première fois du jeu. Vas-y, fais tout péter. Allez, arrête de répéter. Mais je l'ai, le code. Autorisation 875-020-079. Exécution locale du code Oméga. Confirmé. Exécution du code Oméga dans 120 secondes. Ah, rien que ça. Oh putain. D'accord. On va y aller à la grenade là. Wow. Aïe. Un break, c'est mort. Putain, je vais crever moi aussi. Allez, cours, cours, cours. Voilà. Ils sont revenus à la vie. Téléportation. Et bien, on prend les sons. J'ai une mémoire d'éléphant. J'avoue, pour retenir le code du premier coup en plus. Donc du coup... Hop, on va pouvoir remonter et aider le, enfin dire aux scientifiques que c'est réglé le problème. Allez, petit ascenseur de l'espace. Alors désolé si je tousse, hein, je suis encore un peu malade. Depuis le début d'année, ma gorge ne va pas fort. Attendez, il y a peut-être un truc ici, à moins que je l'ai déjà fait. Ouais, j'ai dû le faire. En tout cas, pour le moment, pas de crash. Ça, c'est plutôt cool. Désolé, Shepard, j'agis sur ordre de Benetia. What? Feu à volonté. T'es sérieux, toi? C'est une connasse. Putain, les enfoirés. Aïe, mais Vrex, qu'est-ce que t'as fait? Attends. Alors, toi, tu vas foncer dessus, toi aussi. Et Vrex, tu prends un fusil à pompe et toi, tu prends ton pistolet. Allez, c'est parti. Oh putain, les enfoirés. Bon. Eh, je suis là, les copains. Putain, ils font mal. Toi, le commando, là. Ouh. Putain. J'avais pas vu qu'il avait un fusil à pompe. Donc, il est un peu con. Oh, Rex. Arrête de faire ça, tu me fais peur à chaque fois.
En fin de compte, j'ai été obligé de tuer tous les humains, quoi. Putain, quelle connasse cette Benetia là. Voilà. Donc on va aller voir quand même le scientifique. On va voir si je dois le buter ou pas. Pourquoi oui, voilà, t'as répondu à Yato, Adrian. Fonction activée. Système besoin de premier secours. D'urgence. Tu peux faire marcher cet équipement pour nous? Bien sûr, commandant. Veuillez patienter. Je patiente. J'aime pas le froid. Merci, Rex. Fonction activée. Système configuré pour service d'urgence. Qu'est-ce que tu fais là? J'administre les systèmes de toutes les infrastructures du pic numéro 15. Je constitue l'unité centrale du système de traitement automatisé qu'utilise la station de la faille. Quel est le traitement? Désolé, il n'y en a pas. Une toxine inconnue est présente dans les tissus de tous les patients. Tu peux faire marcher cet équipement pour bien moi? Bien sûr, commandant. Elle me dit veuillez patienter, Rex, mais... Mais elle fait rien, bon, vas-y. Du coup, le scientifique, je sais pas où il est passé. Nous, on va avancer, écoutez. Par contre, je vais sauvegarder, hein, au cas où qu'il y a un crash. Même si là, c'est le jeu pas modé, normalement, je devrais avoir aucun souci. Mais je préfère prendre mes précautions. Il y a des ennemis. Alors, aliens ou humains ? Humain. Ah ah ah, bande de nazes. T'as pas l'impression que qu'il a bougé le truc? C'est un peu con les ennemis. L'IA de Mass Effect 1 est vraiment pas terrible. Wow. Tu dois mourir. Occupez-les. Toi, je vais te donner. Tiens. Oh, mais oh. J'ai rien à ramasser dans le coin. Non. Allez, enfonce. On y va. Bah c'est vrai que je préfère buter des aliens que des humains. Les humains quand même, ils sont gentils. Ils sont pas méchants. Alors Vrex, t'aimes bien les ascenseurs? Non, j'aime pas. Ce serait cool de... De vraiment parler au micro avec les gens en fait avec qui on. Avec les personnages avec qui on joue. Ça pourrait être sympa. Qui sait, peut-être l'avenir du jeu vidéo. On pourrait interagir comme ça. Tout prendre, hop, on prend tout. Du coup je vais voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Ah, meilleur fusil d'assaut. Ça je prends tout de suite. Après fusil à pompe, on va voir. Ah bah voilà. Suffisait de demander pour Vrex. Alors pas de nouvelle armure. Ça c'est nul. Et toi t'es plus pistolet mais bon. Ouais, j'ai rien pour toi. Après c'est de la merde. Tout ça c'est à revendre. Par contre là... J'ai pas mal de choix qui s'offrent à moi au niveau de... Les portes, ah merde! Putain, allez. Oui! Ah là là, c'était moi une. Ah! T'es une alien! Gros tentacule.
Bon. En tout cas, Tali, elle a une armure plutôt efficace. Que vous pouvez voir qu'elle a 3 et 3, ouais, elle a 6 barres bleues là. Donc, elle est plutôt bien protégée contre les attaques physiques. Maintenant, on se fait tirer dessus, elle est quand même très fragile. Facile celui-là. Et toi là-bas, je t'ai vu. Hein. Montre-toi. Bah, je vais te tuer à la bourrin, moi. Coup de crosse dans ta face. Vas-y, relève-toi pour le fun. Tiens, dégage. Vas-y, allez, debout. Debout. Tiens. Allez. Espèce de naze. Tiens. Je vais pas gaspiller mes munitions sur toi. Même si on en a à l'infini dans Mass Effect 1. Dans le 2, on aura un système de munitions. Et les armes ne surchaufferont plus, du coup, si je me souviens bien. Je sais pas du tout où je vais. Je suis mon instinct. Bon. J'espère que je me trompe pas d'endroit. Parce que ça va être un peu galère. Ça me dit quelque chose cet endroit. Et effectivement. Je pense qu'il faut pas que j'aille par ici. Que là je retourne en arrière en fait. Donc ici c'est un peu un raccourci. Et je fais que tousser, désolé. J'essaye de me retenir, donc des fois je fais des bruits un peu bizarres. Et quand on voit la voiture kangourou. Bah étant donné que je suis venu sur cette planète avec la voiture kangourou, on la reverra sûrement quand je vais partir, peut-être. À moins que ce soit un script qui nous fait tout sauter le truc. Vers la zone de maintenance. Oh, est-ce que c'est... Je sais plus. Oh putain. Ça y est, mon sens de l'orientation est parti. Donc, ah, faut peut-être que j'active ça. Bah non. En tout cas, ça m'a donné des midi-gels. Donc ça, c'est fermé. Donc, grosso modo, il faut que je retourne en arrière pour tenter d'activer un truc qui va l'ouvrir. Mais est-ce que tu peux améliorer la voiture kangourou? Non. Elle n'est pas... On n'a pas la possibilité de l'améliorer, non. D'ailleurs, il me semble que dans les autres Mass Effect, en tout cas dans le 2 et dans le 3, elle n'y est plus. Je dis peut-être des conneries, hein. Mais... il me semble. Ou qu'elle est différente. Ça date. Hein. Ça fait depuis tellement longtemps que j'ai joué à ce jeu. Vous n'avez pas idée du privilège. Benedia est là. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir. Ces enfants auraient dû être les nôtres, élevés pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. Avez-vous déjà combattu un commando Asari? Peu d'humains l'ont fait. Vous ferez moins la fière avec une balle dans la tête. Ce n'est pas avec de l'insouciance que l'on peut masquer sa peur. C'est vrai, Natalia. C'est la voix de Cora dans Once Upon a Time. Effectivement. Merci Vrex. Oh, ça c'était pas Vrex. Oh, je suis tombé dans les escaliers. Non, il n'y a pas Rumpelstiltskin.
Ça serait fun, mais je l'aurais reconnu. Allez, merde. Pas gaffe, là. J'ai une grenade. Merde, c'est quoi leur pouvoir là? C'est débile, ça me fait pas de dégâts, mais je tombe par terre. Tali est morte, mais on va dire qu'elle aura plutôt bien réussi. Ah, d'accord. Elle est morte en même temps, il y a un sniper. Il nous a éclaté. Rex, ça va? Tu tiens. Rêve à tenir? Apparemment, je peux pas. Waouh! Et dire, je peux pas la toucher, mais. Ah putain, c'est quoi ce pouvoir magique? Ah, c'est peut-être sa puissance qui baisse. Même pas, je peux vraiment pas la toucher. Du coup, je vais essayer d'avancer. Yahoo! Ouais, faut tuer tout le monde, c'est tout. C'est tout ce qu'on doit faire. Ouais. Là, on est que deux, hein. Que Rex et moi. Ah, elle est revenue, Tali. Oh, une sauvegarde rapide. Ce n'est pas fini. Nul ne peut arrêter sa reine. Mon esprit est empli de lumière. Tout est clair. Les Rachni n'ont pas coopéré avec vous. Pourquoi le ferais-je? Je ne le trahirai pas. Vous n'apprendrez... Vous... Écoutez attentivement. Sa reine murmure toujours dans mon esprit. Je peux combattre ses pulsions brièvement, mais l'endoctrinement est puissant. Épargnez-moi, vous allez rattaquer. Vous pourriez donc m'attaquer à nouveau. C'est possible, mais ce ne serait pas de mon plein gré, Shepard. Les gens autour de sa reine ne sont plus eux-mêmes. On se met à l'idolâtrer, à le vénérer, à faire n'importe quoi pour lui. Sauveraigne, son vaisseau amiral, en est la clé. C'est un gigantesque cuirassé d'une puissance extraordinaire. Où l'a-t-il trouvé? Sovereign n'est pas comme les autres vaisseaux. D'où vient-il? Je n'en sais rien. Ce ne sont pas les Geths qui l'ont construit. Il est bien plus évolué que toute autre technologie connue. Ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de sa reine et finissent prostrés à ses pieds, à boire ses paroles. L'effet est d'abord subtil. Je me croyais assez forte pour résister, mais j'ai fini par devenir un instrument volontaire. Vivant pour servir. Il m'a chargé de retrouver la position du relais cosmodésique Mu, perdu depuis des milliers d'années. Donnez-la-moi. Dites-moi où se trouve le relais Mu avant que je perde patience. Bien sûr, commandant. J'ai transcrit les données dans un DSO. Tenez. Bon. On a déjà ça. Ça ne sert à rien de connaître les coordonnées du relais si on ne sait pas quoi en faire. Sa reine ne m'a pas révélé ça. Oh, d'accord, vous merci. Vous devez la découvrir, et vite. Je lui ai transmis les coordonnées juste avant votre arrivée. Vous devez arrêter ça. M'arrêter. Il ronge mon esprit, enserre ma colonne vertébrale. Vous devez... Vous devez... À votre tour. Allez, on va la tuer. Allez, Vrex, s'il te plaît. Vrex, fais quelque chose, je vais mourir. Allez, Tali, Vrex, faites quelque chose. Pitié. Putain, attaquez-la. Et putain, je suis mort. Enfin, c'est pas grave, il y a une sauvegarde rapide juste avant. L'échec critique de la mission. Ce n'est pas fini.
Bon, du coup, on peut passer. Voilà. Souveraine, son vaisseau. Il m'a chargé de retrouver la position. On met je mets exactement les mêmes choses. Hein. Vous devez... Voilà. Allez, merde. On rate pas cette fois-ci. Oh, elle a éclaté là. Ah non, elle est encore vivante. Elle est où? Ah, c'est téléporté. Téléportation. Ah non, mais pas. Voilà. Merci la sauvegarde, j'avoue. Je ne peux pas aller plus loin. Ce sera à vous de l'arrêter, Shepard. Vous êtes consciente? Vous êtes à nouveau libérée de l'endoctrinement? Je l'entends encore. Comme du métal sur du métal. Crissant et se répétant à l'infini. Pas de lumière? On dit toujours qu'il y a... D'accord. Et là, il va se passer un truc, un choix plus ou moins important. Donc là, il n'y a plus de gros insectes. Hein. On les a tous tués. Il reste que donc la reine, celle qu'ils ont trouvée, qui ont fait éclos son œuf. Et donc, elle va nous parler à travers son clone Asari. Enfin, je crois, normalement. Ouais, c'est ça. Enfin, son clone, même pas. Elle manipule un mort. Elle, c'est notre voix. Nous ne pouvons pas chanter. Pas dans ces espaces confinés. Vos chants sont sans éclat. Qui êtes-vous? Nous sommes la mer. Nous chantons pour ceux tombés dans les limbes. Pour les enfants que vous croyez réduits au silence. Nous sommes Rakhni. Comment faites-vous pour parler à travers elle? Notre espèce chante des caresses de pensée. Nous pinçons les cordes et l'autre comprend. L'esprit de ce réceptacle était ouvert. Elle a des couleurs pour lesquelles nous n'avons pas de nom. Mais elle arrive à son terme. Sa mélopée est douce, amère. Admirable. Vous n'êtes pas en harmonie avec ceux qui voudraient nous contrôler. Effectivement. Qu'allez-vous chanter? Serons-nous relâchés? Allons-nous à nouveau disparaître? On n'a qu'à faire exploser ces réservoirs d'acide là-bas. Mes ancêtres sont morts par millions pour se débarrasser des Rakhni. On ne va pas les laisser revenir. La dernière survivante de son espèce, Shepard. Nous n'avons pas l'objectivité nécessaire pour en décider. Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer ou de renvoyer notre peuple dans les limbes du silence. Je vais pas quand même exterminer une race d'aliens. Parce que si je mets « Je ne vais pas vous tuer », je vais sûrement la laisser enfermée là-dedans. Ou mieux que je la libère. Vos plans, quels sont si vos plans? Si je vous laisse vivre, est-ce que vous attaquerez à nouveau les autres races? Non. Nous... Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la guerre. Nous n'entendions que discordance des chants sombres et suintants. Nous chercherons un endroit reculé pour apprendre l'harmonie à nos enfants. S'ils comprennent, peut-être reviendrons-nous. D'accord. Êtes-vous une survivante de la guerre? Un clone? Nous ne savons pas. Nous ne nous rappelons que les pleurs de notre mère dans nos rêves larvaires.
un son provenant de l'espace a fait taire les voix, les unes après les autres. Il forçait les autres chanteurs à entrer en résonance avec sa propre note, d'un jaune acide. Nous nous sommes alors réveillés dans cet endroit, dernier écho de la planète chantante. Désormais, le ciel est silencieux. Vous auriez pu les calmer si je n'avais pas déclenché la bombe ? Non. Nos esprits sont différents des vôtres. Nous n'apprenons à chanter qu'en harmonie. Sans mère, les enfants sont perdus dans le silence. Le gris-violet de vos chants n'a pas lieu d'être. Nous les aurions fait taire nous-mêmes. Eh bien, je vais la libérer. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais on va pas quand même exterminer une race. C'est une grosse responsabilité quand même. Et elle a dit que son plan, c'était que ses enfants soient en harmonie. Donc, ils sont pisse, quoi. Ils sont pas dans un esprit de vengeance. Ils veulent repartir sur de bonnes bases. Donc, je vais dire que je vais les libérer. Allez, c'est parti. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Elle peut mentir, c'est vrai. Votre peuple n'a pas combattu cette engeance. Peut-être que vous ne comprenez pas. C'est vrai, on l'a tué. Mais Vrex, je t'aime bien, mais... Nous pourrions être alliés. Ça, c'est cool. Ça. J'aimerais avoir les Rachnis à nos côtés dans le futur. Faites ce que vous voulez. Mon peuple s'en occupera en temps et en heure, comme nous l'avons fait pour les Galariens. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau? Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence à nos enfants. Fabuleux. L'idole des jeunes versions insectes. Vous allez vous en mordre les... Alors, est-ce que ça aura un impact sur le premier Mass Effect, le deuxième ou le troisième? Ça, on le découvrira ensemble. Parce que moi, je m'en souviens plus si ça a un impact sur le 2. Il me semble pas. Ça serait plus sur le 3, mais le 3, vu que je n'y ai pas joué. Donc, on a gagné plein de trucs. Allez, un petit overdrive. Plus rapide que la lumière. Ordinateur, je peux pas activer, hein. Il faut que je me réchauffe. Rien à tuer dans le coin. Non, Vrex. Alors du coup, faut que je quitte cette planète, tout simplement. Je vais quand même vérifier. Désolé, je vais faire un petit tour. Je vais vérifier que j'ai rien à débloquer. Des objets à récupérer, des trucs comme ça. Parce que bon, vous avez vu, hein, ça coûte très cher. Les objets dans le jeu, faut mieux essayer de les trouver que de les acheter. Apparemment, il n'y a rien. J'ai fait le tour. Il y a des trucs ici. Hop. Ça, c'était juste un médigel et de l'argent. Et un peu d'expérience. Et merde. Voilà. Hop. Tu as pas laissé des petits cailloux derrière toi pour retrouver ton chemin. Non. En plus, c'est bien parce que là, vous voyez, on peut pas retourner en arrière. On est vraiment guidé, on est pris par la main. Là, il n'y a qu'une sortie, c'est ici. Ça me rappelle un peu les donjons de Skyrim, où en fait, il y a un passage secret qui nous ramène directement au début du donjon pour pouvoir sortir facilement. Bon, du coup... Est-ce que
quand j'appuie ici, ça va me ramener directement dans mon vaisseau ou pas? Apparemment non, faut que je me démerde. Il va peut-être y avoir un script qui va se déclencher une fois qu'on va arriver de l'autre côté. Ce black screen. Ah bah non, directement. Ah peut-être pas. Et si. Qu'est-ce qu'on fait, commandant? On va au relais mu? Pas si vite. Le relais mu doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement où va sa reine, ce sera du temps perdu. Le commandant a raison. Nous ne pouvons pas avancer à l'aveugle. Nous devons en apprendre davantage sur sa reine. Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions? Vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi? C'est toujours moi le chef. Je ne vais pas me laisser manipuler par une Asari. C'est moi qui donne les ordres ici, compris? Pardonnez-moi, commandant, ce n'était que mon point de vue. C'est une mission difficile, tout le monde est à cran. Vous devriez aller vous reposer. Équipage rompé. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Ouais. Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Que j'ai fait une connerie? Exact, commandant. Vous avez trouvé des rachnies sur Noveria? Et libéré leur reine. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Combien de générations leur faudra-t-il avant qu'ils n'envahissent la galaxie? Attendez. Je sais. 3? Non, 4. Ce n'est pas une plaisanterie, commandant. Les rachnies ont été l'une des plus graves menaces à l'encontre de la galaxie. Pas cette fois. Cette reine est différente. Elle a compris pourquoi sa race a été éradiquée la dernière fois. J'espère que vous avez raison, Shepard. Sinon, les enfants de nos enfants en paieront le prix. Nous attendons votre prochain rapport, commandant. J'avoue, Matalia, c'est vrai qu'on a tué la mère de l'autre, là. J'ai oublié comment elle s'appelle, d'ailleurs. Putain, 6 points. J'ai 6 points à foutre. Déjà, ça... Augmente la durée, permet de rafales plus longues et draine plus de précision. Ok. Voilà. Et là, il me reste un point. Je pense que je vais le mettre en formation d'assaut. On avait dit qu'on l'appelait Stromfette. Peut-être. Bon. Du coup. Je vais aller me promener un petit peu dans le vaisseau au lieu de partir à l'objectif direct. Histoire de vous le faire visiter aussi. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Dans ce vaisseau. Enfin. C'est plus des discussions qui peuvent être intéressantes en fait. Que des choses à faire. Mais bon. Par exemple là. Dans le coin normalement il y a. Il y a le mec là. J'ai oublié son nom. Kaidan, voilà. Commandant, vous avez une minute? Je vous écoute. Pour mes officiers, toujours. De vous à moi, il y a quelque chose d'anormal dans cette histoire. Sa reine est prête à tout pour localiser un mystérieux relais cosmodésique et le conseil s'en lave les mains? Moi, je trouve ça étrange. Désolé, commandant, il fallait que ça sorte. Le conseil refuse d'admettre qu'il y a un problème. Je serais tenté de dire que l'erreur est humaine, mais... Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même étonnant que le Conseil soit aussi cavalier. Pourtant, ça fait un bail qu'il est au pouvoir. Depuis le temps qu'on en rêvait, de cette ultime frontière, on arrive trop tard pour la coloniser. Et ses habitants ont l'air blasés. Même le danger ne les impressionne plus. Fermez la lieutenant. Je ne vous savais pas l'âme d'un romantique. Ce qui vous a fait signer, c'est « Le futur de l'homme, c'est l'espace », pas vrai? Gamin, j'en lisais pas mal, des bouquins comme ça. Avec le héros qui part dans l'espace par amour. De la justice, je veux dire. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu fleur bleue. Mais le programme Lobo m'a donné à réfléchir. Pardon, le programme de socialisation des individus biotiques. Ça fait longtemps que j'ai remballé mon idéalisme. Je veux juste faire de mon mieux pour aider les autres. Désolé, commandant. Le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole. Vous a appris quoi? Racontez-moi comment c'était. Le programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps. Les pauvres gamins qu'on y a traînés de force appelaient ça le programme Lobo. Pardon, je ne devrais pas dire traînés de force. On nous a encouragés à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques.
Et je ne parle même pas des expositions accidentelles des fœtus à l'élément zéro. Certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau. Vous pensez que ce n'était pas un accident ? Ma mère est morte dans le crash d'une navette. C'était avant les premiers biotiques humains, et juste après la découverte des ruines martiennes. C'est seulement après 63 que Conatix a commencé à manquer de sujets de test. Avant ça, ils piochaient dans la population. Leurs agents débarquaient un beau matin et vous emmenaient sur Point Zéro, sans vous demander votre avis. Point Zéro, c'était quand même loin de chez vous ? C'était comment ? Disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vue en holo. Enfin bref, c'était censé être un débriefing, pas un cours d'histoire. J'aime connaître mon équipage. Au combat, on dépend tous les uns des autres. Je préfère savoir aux côtés de qui je me bats. Je comprends, commandant. Vous pouvez compter sur moi. Vous vous intéressez autant à tous les membres de votre équipage ? Ah ah ! Y a moyen de draguer, là. Non, juste à vous. Allez, je vais mettre ça pour le fun. Je n'ai pas dit que je faisais ça pour tout le monde. Il faudra qu'on en reparle. Ah, il va me falloir un peu de temps pour assimiler ça. Mais oui, ce sera avec plaisir. Ah, ça dragouille dans le Normandie. Casier de Shepard. Ah, cool. Ouais, il a fait plein de références. Il a parlé de Star Wars et d'autres trucs. Cool, je monte de niveau. Je suis dans le Normandie, je monte de niveau, normal. Alors, 2 points d'expérience en plus. Enfin, 2. Du coup, hop. Réduit le délai d'utilisation de montée d'un. Ok. C'est vrai que mes pouvoirs, je les utilise quasiment pas, quoi. C'est très rare que j'utilise mes pouvoirs. J'aimerais bien voir Vrex. Oh, la drague de merde. Et ouais. Ah, la voiture kangourou. Beau boulot, commandant. Merci. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous saviez ? Vous aviez déjà travaillé avec un spectre ? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravé par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. Le statut de spectre offre certains avantages, oui. Exactement. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante, tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles. Je vais essayer, Matalia. Quoi ? C'est pour ça que vous avez jeté l'éponge ? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédié l'affaire Saren. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais là... Tout ça, c'est du passé. Vous avez fait le bon choix. Et le passé, c'est douloureux. Oui, sans doute. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois. Comme vous voulez. Faites votre boulot. Ne m'empêchez pas de faire le mien. Et nous nous entendrons à merveille. N'ayez crainte, commandant. Je ne vous gênerai pas. T'as intérêt ? Putain, c'est cool, je récupère plein de points d'expérience. Dites, commandant, vous n'auriez pas besoin de provisions avant de partir ? Vous vendez quoi ? J'ai tout ce que vous voulez. Armure, mode, armes. Mon matériel ne vient pas de l'Alliance. Mais entre vous et moi, ce n'est pas plus mal. Bien sûr, il faut y mettre le prix. Vous croyez que je vais vous acheter ma dotation ? Mon stock ne vient pas de l'Alliance. Je me fournis moi-même et je peux vous dire que ce n'est pas donné. J'ai dû faire un emprunt rien que pour acheter les licences. Pas de licence, pas de matériel. Et pas de matériel, pas de boulot. Pas de bras, pas de chocolat. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Oh, ça coûte la peau du couille encore, ça. Armure lourde. Moi, je vais plutôt te vendre tout ce que j'ai. À part mes modes. Je te vends mes armes. Et j'ai trop de trucs à vendre, je suis désolé. Alors, mode. Ah, c'est que des modes. À la rigueur, je sais ce que je vais faire. Ah, quoique. Bon, pour les modes, on verra ça plus tard, les modes que je vais vendre.
C'est qui ça là-bas? Toi, Brex, copain. Shepard, vous voulez quoi? Tu feras un bisou. Et vous, Brex, c'est quoi votre histoire? Y a pas d'histoire. Si vous voulez des histoires, allez voir la Carienne. Quelle tête de cochon! Un Krogan, ça vit plusieurs siècles. Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures. Eh bien, il y a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer. Ça, c'était marrant. Ils ont fait pareil avec nous, mais on les a repoussés. Non, c'est pas pareil. Bonnet blanc et blanc bonnet. On dirait pourtant. Alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique. Une infection qui fait que seul un enfant sur 1000 survit à la naissance. Et j'imagine que ça détruit toute votre race. Monsieur Mac. D'accord, ce n'était pas tout à fait pareil. Je n'attends pas que vous compreniez. Mais ne comparez pas le destin des Krogan à celui de l'humanité. Je voulais simplement discuter, je voulais pas vous contrarier. Votre ignorance ne me contrarie pas, Shepard. Et pour les Krogan, ça fait un bail que j'ai laissé tomber. Le génophage nous a infectés, mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le génophage? Si vous voulez des détails, demandez aux Galariens. C'est eux qui l'ont mis au point. Tout ce que j'en sais, c'est qu'il rend la reproduction quasi impossible. La plupart des enfants meurent à la naissance. Voire avant. Tous les Krogan sont infectés. Tous. Et personne ne se précipite pour trouver un remède. Même pas les Krogan eux-mêmes? Vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les Krogan? Demandez-nous si on préfère trouver un remède au génophage ou se battre pour des crédits. On choisira la baston à chaque fois. C'est de nature, Shepard. Je n'y peux rien. Ni moi, ni personne. Votre peuple est vraiment en voie d'extinction? On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr. On est trop dispersés. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système. De nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde d'origine. Ouais. En colonisant de nouvelles planètes. Vous avez dit que vous allez l'aimer, Virex. On est des guerriers, pas des colons. On aime le sang. Alors on part. On se loue au plus offrant. Mais la plupart d'entre nous ne revient jamais. Oh mais... À plus tard, Brex. Je parle. Alors, c'est Liara, l'autre là. Et... La Sari. Donc on a Liara, Tali, Brex, Garrus, Kaidan et Ashley. Donc logiquement on a tous les personnages, il me semble. Commandant. On peut parler? Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? Bien sûr. Justement, j'espérais que vous m'accorderiez un peu de votre temps. En privé. À quel sujet? C'est à titre officiel, artilleur? Non, chef. Enfin, si. Peut-être. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupé par les extraterrestres Vakarian et Vrex. Sauf votre respect, commandant. Est-ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau? Vous ne leur faites pas confiance parce qu'ils ne sont pas humains. C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'Alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Les propulseurs, les capteurs, l'armement. Vous ne faites pas confiance à nos alliés? Je ne sais pas si on peut qualifier les races conciliennes d'alliés. Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même. J'espère que je ne dois pas prendre ça pour de l'insubordination. Non, chef, c'est du patriotisme. Le conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant, mais s'il arrive quoi que ce soit, ils nous laisseront tomber. Vous avez une vision bien pessimiste de l'univers, Williams. Le pessimisme, c'est du réalisme vu par les optimistes. Écoutez, si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer est de sacrifier votre chien, vous le faites. Que vous l'aimiez ou pas, il n'est pas humain. Ce n'est pas du racisme. Pas vraiment. Les membres du conseil privilégient toujours leur raciste par aux humains. Que Noël. Alors pourquoi dites-vous ça? J'ai déjà entendu ça, attendez une minute. Vous avez l'air d'y croire dur comme fer, Williams. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ma famille défend l'Alliance depuis qu'elle existe. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère, ils se sont tous engagés et ont prêté serment. On doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la Terre aux nôtres. Très bien, je vois ce qui vous tracasse. Mais il s'agit d'une mission multilatérale, Williams. Vous allez devoir travailler avec des extraterrestres, que ça vous plaise ou non. Pas de problème, commandant. Si vous me dites de sauter, je demanderai à quelle hauteur. Et si vous me demandez d'embrasser un Turien, je vous demanderai sur quelle joue. Parfait, Williams. Tenez-vous-en à ça. Vous vouliez autre chose, commandant ? Votre avis sur la situation. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Au sujet des Rakhni, vous voulez dire ? Ils étaient dangereux, commandant. Ils l'ont prouvé il y a 2000 ans. Je pense que c'était une erreur de les laisser s'enfuir. Mais c'était à vous d'en décider, pas à moi. Si vous n'avez pas encore parlé au docteur Tsoni, vous devriez aller la voir. Elle vient de perdre sa mère. Ça doit faire mal. Ah, mais il était temps. À vous de voir, commandant. Vous avez quelques minutes. Désolé, commandant. J'ai beaucoup à faire. Ouais, connasse. Mais un peu plus tard, ce sera avec plaisir. Et ça. Rompez artilleur. Insiste. Connasse. Du coup, il faut que je trouve Liara et l'autre là avec sa tenue de robot. Ah, elle est là, Tali. Votre vaisseau est fabuleux, Shepard. Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre. J'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage aussi étroit. Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent. Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués. Ceci est particulier. Un concentré de technologie. Dire qu'il y a un mois, je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur, et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien. Encore merci de m'avoir accepté parmi vous, Shepard. Voyager sur un vaisseau comme celui-ci, c'est un rêve qui devient réalité. Vous avez aimé les vaisseaux ? Vous intéressez à l'ingénierie spatiale ? Comme tous les Cariens, la flotte nomade assure la survie de mon peuple. Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux, mais nous ne possédons rien de tel. Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible. Certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes. C'était il y a 300 ans. La flotte utilise encore des vaisseaux vieux de 3 siècles ? Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter. Ils ne paient pas de mine, mais ils fonctionnent, généralement. Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible. Nous produisons notre propre nourriture, nous extrayons et raffinons notre carburant. Mais nous ne disposons pas de tout. Préparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas. D'où l'importance de nos pèlerinages. J'aimerais en savoir plus sur votre pèlerinage. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons notre flottille natale et nous cherchons à nous intégrer à un nouvel équipage. C'est nécessaire pour préserver la diversité génétique de la flotte. Mais aucun vaisseau ne peut s'embarrasser d'un point mort, alors pour prouver notre valeur, nous entamons un pèlerinage. Nous quittons la flottille et nos familles pour ne rentrer qu'après avoir trouvé une chose de valeur à rapporter. Cette chose, nous l'offrons au capitaine du vaisseau que nous voulons rejoindre. S'il l'accepte, nous intégrons l'équipage. Ça peut arriver qu'un capitaine refuse ? Rarement. Leur statut social est proportionnel à la taille de leur équipage. Donc en général, ils ne demandent pas mieux. Même lorsqu'un présent n'est pas particulièrement intéressant, le capitaine l'accepte, par tradition. Cependant, il peut y avoir des conséquences. Offrir un présent de peu de valeur peut constituer un obstacle à l'intégration. La plupart des pèlerins s'efforcent donc de soigner leurs cadeaux. J'ai du mal à croire qu'ils vous laissent partir seuls. Ce n'est pas comme si nous étions bannis. Avant de partir, nous suivons des cours sur la survie en dehors de la flottille. Et on nous remet des cadeaux pour nous aider dans notre aventure. Nous recevons également des implants pour combattre les maladies. À force de vivre dans un environnement isolé et hautement contrôlé depuis des générations, nos systèmes immunitaires se sont affaiblis. Quand nous quittons la flottille, nous sommes bien équipés pour le pèlerinage. Tous les Cariens passent par ce rite. S'il était vraiment dangereux, notre démographie en souffrirait. Quasiment tous les pèlerinages se terminent sur un retour triomphal et la présentation rituelle du cadeau à l'un des capitaines de la flotte. J'aimerais parler d'autre chose. Comme quoi ? Les guettes. J'aimerais en savoir plus sur les guettes. Je doute de pouvoir vous en apprendre plus. Cela fait 3 siècles qu'ils nous ont forcés à l'exil. Je ne connais que l'histoire de leurs origines, depuis leur création jusqu'à leur révolte. Intéressant. Les guettes ont été créées pour servir de main-d'œuvre automatisée. À l'origine, leur intelligence était aussi limitée qu'une IV classique. Au fil du temps, nous avons effectué de petites modifications dans leur programme pour leur permettre d'accomplir des tâches plus variées et complexes. Résultat, une intelligence de plus en plus proche de l'IA véritable.
Vous auriez dû vous douter que ça se retournerait contre vous. Chaque changement était trop insignifiant, trop progressif pour causer le moindre problème. Tout était sous notre contrôle. Tout, sauf une chose. Leur réseau neural. Quand 1 million de guêtres réfléchissent simultanément, la matrice devient profondément instable. Les guêtres partagent leur capacité de raisonnement ? De nombreux systèmes logiques qui les composent ont été conçus pour se synchroniser à ceux des autres guêtres à proximité. En somme, plus ils sont nombreux, plus ils sont intelligents. Alors ils possèdent une sorte de conscience collective ? Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas partager des données sensorielles ni des instructions. Leur code ne leur permet pas de traiter autant de tâches simultanément. Chaque guêtre possède une conscience et une identité propre. Le réseau neural ne fonctionne qu'en termes de puissance CPU. Disons que c'est l'équivalent artificiel du subconscient. Mais lorsqu'ils sont à proximité les uns des autres, ils peuvent synchroniser leurs opérations fonctionnelles de bas niveau et donc allouer plus de puissance de calcul aux opérations de haut niveau. Ça n'a aucun sens. Je simplifie à l'excès. Les guêtres sont des organismes incroyablement avancés et complexes. Retenez simplement que plus un groupe comporte d'individus, plus ces individus sont intelligents. Plus nous construisions de guêtres, plus leur intelligence devenait sophistiquée, abstraite. Jusqu'à ce que pour la première fois, un guêtre questionne son contremaître. Suis-je en vie? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Vous vous en doutez, cet incident a semé la panique parmi les cariens. Que s'est-il passé ensuite? Il semblait inévitable que les guêtres, fraîchement dotés d'une conscience, se révolteraient contre leurs conditions de vie. Hâte de voir ça aussi, Mathalie. Se retourneraient contre nous. Alors, nous avons pris l'initiative. L'ordre de désactiver tous les guêtres de façon permanente fut envoyé à tous les systèmes cariens. Les guêtres y réagirent par la violence. Vous ne pouvez pas leur en vouloir de s'être défendus pour assurer leur survie. Nous n'avions pas d'autre choix. Les guêtres étaient sur le point de se soulever. En agissant rapidement, nous avions une chance de mettre fin à la guerre avant qu'elle ne commence. Nous espérions que la plupart des guêtres seraient juste un peu plus développées que des machines, et donc incapables de résistance organisée. Mais ils avaient évolué beaucoup plus vite que nous le pensions. La guerre fut longue et sanglante. Les cariens tombaient par millions sous les assauts des guêtres. Finalement, il n'y eut plus d'autre choix. Il fallait fuir notre monde natal. Nous avions peur que les guêtres nous poursuivent, mais ils n'ont jamais dépassé la limite du voile. Et maintenant, nous parcourons l'espace, exilés en quête d'un moyen de reconquérir le monde qui était le nôtre. Vous avez eu ce que vous méritez. Notre seule erreur a été de créer les guêtres, pas de partir en guerre contre eux. Si nous n'avions pas agi, ils nous auraient massacrés. C'est une forme de vie artificielle. Ils n'ont aucun besoin des espèces organiques. Aucun. Pourquoi pensez-vous qu'ils se sont coupés du reste de la galaxie? Qu'ils tuent toute créature organique qui tente d'établir un contact avec eux? Vous marquez un point. Désolé d'avoir douté de vous. C'est moi qui vous demande pardon, Shepard. Je ne voulais pas m'emballer comme ça. Les cariens s'énervent facilement lorsqu'on parle des guêtres. Parlez-moi de votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Oh, désolé, hein, beaucoup de blabla avec elle, mais on apprend plein de choses intéressantes. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Bref, mon peuple est très soudé. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquises. Quelle liberté? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Si notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie. Quand notre taux de natalité diminue, la loi sur le contrôle des naissances est suspendue. En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples par des primes. Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'un siècle. C'est votre gouvernement ? La branche civile, pour être exact. Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte. Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau, le capitaine a le dernier mot. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage. Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus? Dans la pratique, oui. Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau. Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire. Les 5 officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté. En cas d'urgence, ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave. J'avoue, elle parle beaucoup. Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit de l'arrêt de bulle, hein. À leur mandat. Ça veut dire que le live va continuer encore un moment. Utilité. En 3 siècles, la commission n'a utilisé son veto que 4 fois. Au revoir. A plus tard. Donc il nous reste à aller voir la carienne.
Histoire de voir si elle est pas trop triste qu'on ait tué sa mère. On a tué ta maman. Par contre, où est-ce qu'elle est planquée? J'en ai aucune idée. Je suis grande. Oui, j'ai dit je suis grande parce que mon personnage est une fille. C'est pas... J'étais en train de me dire c'est pas elle là, mais non, non, c'est une armoire. Hé, hey, salut docteur. Oui, commandant. Vous avez cassé la gueule ou quoi? Vous connaissez bien le lieutenant? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission. Mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Ça n'est pas facile d'être un L2. Quel rapport avec lui? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le lieutenant Alenko, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2. Il y a parfois des complications. Quel genre de complications? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques invalidantes. Il existe une longue liste de terribles effets secondaires. Kaidan a de la chance, il n'a que des migraines. Comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'Alliance? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse. Trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Audrey. Résultat, j'ai conservé le rôle. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix? Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Ah là, ça casse. Bon, elle est où l'autre? Ah bah elle est là, elle est en train de pleurer. Ils ont tué ma mère. Si vous venez me parler de la mort de Benezia, c'est inutile. Elle est seule en cause. Ne jouez pas l'indifférente. C'était votre mère. Elle l'était, sans l'être. Je préfère me souvenir de Benezia telle qu'elle était, avant d'être corrompue par le pouvoir de Sovereign. C'est sa reine le responsable. Si j'étais vous, je crierais vengeance. Nous avons déjà assez de motifs pour arrêter sa reine. Inutile d'y ajouter la vengeance. Benezia a choisi sa voie. Et moi la mienne. Je vous suivrai jusqu'au bout, Shepard. Parlez-moi de vous, Lyra. De moi? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdus, à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées. Vous devez quand même être motivé. J'adore mon travail. La recherche des secrets oubliés de l'histoire, c'est une activité passionnante. Vous avez été en contact avec un artefact protéen en état de marche? C'est pour cela que vous me fascinez, commandant. On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo. Comment? Non, je n'insinuais pas que... Je ne voulais pas vous offenser, Shepard. Je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie. Oh non, oh, c'est encore pire. Calmez-vous, Lyra. Je plaisantais. Vous plaisantiez? Oh, par la déesse! Mais quelle saute! Vous devez me prendre pour un cas désespéré. On dirait une voilà grosse dépressif. Je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs. Quand je discute, je finis toujours par sortir une bourde. S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Le Conseil est en partie notre œuvre. Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques. Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Chaque espèce contribue au bien commun. Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. Comme par exemple?
La plupart portent sur nos rites d'accouplement. Mon espèce est asexuée. Masculin et féminin ne signifient pas grand-chose. Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Souvenez-vous du premier ou du deuxième live où on a couché avec une Asari. Genre, elle est pas au courant, Shepard. En gros, vous vous accouplez avec tout le monde. Vous voyez comment naissent les rumeurs? Le contact physique est possible, mais ce n'est pas un élément essentiel de l'union. Non, la véritable connexion se situe au niveau mental. Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités. Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit. Nous explorons la mémoire génétique de leur espèce. Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales. Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce, tout en développant une plus grande connaissance des autres races. Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient ? Chaque relation est différente. Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte. D'autres peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies. Vous savez qui la matriarche Benezia a choisi comme partenaire ? Elle parlait rarement de son compagnon, mais je sais que mon père, si vous préférez cette dénomination, était Asari. Benezia ne vous a jamais dit qui c'était ? Les unions entre Asari sont de plus en plus rares. Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution. Les enfants Asari héritant des caractères raciaux de l'espèce paternelle, une union entre Asari ne leur apporte rien. C'est du moins l'opinion la plus répandue. Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur. Mais aucune Asari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face. Ce serait un affront impensable. Peut-être la partenaire de Benezia voulait-elle taire leur union ? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement. Qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée ? Qu'il ne lui est rien arrivé ? Qu'elle n'est pas morte ? Vous avez peut-être raison. Je l'espère, aussi cynique que ce soit. Mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine. Benezia ne parlait jamais de sa partenaire. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle en a énormément souffert. Elle m'a élevée seule, ce qui n'est pas rare. De nombreuses Asari élèvent seules leur enfant, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Souvent, le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité. Les Asari peuvent vivre un millier d'années. Que se passe-t-il quand votre compagnon meurt ? Peu d'espèces intelligentes ont notre longévité. Nous avons donc appris à avoir une certaine approche philosophique de nos relations. Ce n'est pas la perte inévitable de l'autre qui occupe nos pensées, mais plutôt le temps qu'il nous reste pour jouir ensemble de la vie. Et même lorsqu'un partenaire vient à mourir, une petite partie d'eux survit en nous. L'union transcende le temps et l'espace. Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à sa reine ? Benezia a été prise dans un tourbillon d'événements qui la dépassait. Elle est tombée victime de l'endoctrinement qui a fait d'elle son pire ennemi. Mais c'est son vivant et non sa mort dont j'honorerais le souvenir. Ma mère était forte, belle et bienveillante. Était... Ça va aller, Lyra ? Merci, Shepard. Oui, elle me manque. Et je regrette ce qui lui est arrivé. Mais je ne laisserai pas mon chagrin contrarier nos plans. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Je pense qu'on a fait le tour de l'équipe. On a même parlé au docteur là. Donc on va pouvoir se reconcentrer sur la quête principale. J'espère que cette petite visite du Normandie vous a plu, que ça vous a pas endormi. En tout cas, on a appris plein de choses intéressantes. En tout cas, moi je trouvais ça intéressant. Alors, zoom arrière. Hop. Alors, où est-ce que je dois aller ? J'irai bien sur Féroce. Allez, c'est parti. Ah oui, on n'a toujours pas décollé de la planète où on était avec les gros insectes. Du coup, on a cette petite cinématique. Let's go! Piou! C'est faux, il n'y a pas de bruit dans l'espace. Ah là là.
Alors, c'est parti, j'ai dit féroce. Merde, pourquoi j'ai fait zoom arrière? Donc, qu'est-ce qu'on vient faire sur Féroce? Eh bien, écoutez, je ne sais plus. Je vais regarder l'objectif après. On est déjà venu sur cette planète. Alors, attendez. Journal. Alors, tout ça, on a fait tout. Ah, faut que j'aille sur Virmir. Ah, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Au lieu de m'excuser, les gens. Alors, Virmir, tu es là. Je peux pas la passer, la scène. Là où tu es mort plusieurs fois. Je suis un peu mort plusieurs fois un peu partout. Hein. Ayato. Et oui, j'ai une mémoire de poisson. Désolé, désolé. Ah, c'est la planète de Vrex. Si je me souviens bien, c'est la planète de Vrex. Alors, Vrex, tu vas venir avec moi. Et Tali. Quoique, je prendrais bien Garus. Pour changer un peu. Ah, j'hésite. Je vais attendre ce que vous me dites là. Vous voulez que je garde Tali ou je prends Garus? Oui, prends Garus. Bon, bah, première réponse, premier servi. Non, mais là, c'est là où on a compté plusieurs fois, même cinématique, et que Talia et Vrex c'était pour effectivement, je me souviens maintenant. Commandant, je capte un signal. Ça doit être pour notre équipe d'infiltration galarienne. Visez un peu ces tours de défense. Larguez le Mako, on fonce dans le tas et on s'en charge. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. Yeah! On a la voiture kangourou. On a le champ libre, commandant. Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'aie éliminé ces tours anti-aériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Terminé. Alors, il y a une sauvegarde rapide, mais je vais aussi faire une sauvegarde manuelle. Et, par contre... Voilà, je vais avoir beaucoup de points à mettre à notre cher Garus. Tout y mettre en décryptage. Ensuite, premier secours. Voilà, fusil d'assaut. On va mettre ça. Moi, je peux pas mettre plus. C'était un bug. Ok, on peut utiliser le sniper, mais on le fera pas. On va augmenter son armure. Augmenter ça aussi, du coup. Formation d'assaut, atténuation. Ça, on va le mettre juste histoire de débloquer le truc. Ça aussi. Maintenant, le reste en formation d'assaut. Voilà. Alors Vrex, notre ami Vrex, va augmenter son fusil à pompe lui. Et y a pas un truc bien là à prendre. Du coup on va augmenter son armure après. Et moi c'est bon. C'est qui? C'est celui qui parle en audio là, c'est la voix française de Ichigod. Peut-être. Ne regarde pas Bleach, donc. Ah oui, par contre, Garus, son équipement doit pas être terrible.
Hop. Oui. Il a vraiment de la merde en équipement, lui. Ok, il a pas de mode non plus. T'inquiète. Alors, sur cette planète, ouais, je pense que ça va être des cibles synthétiques. Avec ou sans casque? Il est mieux avec. Sans. Le casque de Vrex me fait toujours rire. Meilleur fusil à pompe. Ouais. Par contre, j'ai pas regardé les mods que j'ai sur mes armes. Peut-être des choses plus intéressantes à mettre maintenant. Ça, c'est mieux. Performant 2. Dégâts toxiques. On va mettre ça. Je suis désolé si je prends un peu de temps là, mais il faut ce qu'il faut. Et toi, Vrex? Oh, t'as un truc de merde. On va te mettre ça, Vrex. Voilà. C'est parti. Par contre, je vais sauvegarder. Comme ça, j'aurais pas besoin de le refaire. Parce que ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu chiant à faire en live. Ça tue la dynamique. Donc c'est parti. J'ai ma souris qui s'est affichée sur l'écran. Why not? Donc une map un peu impressionnante quand même, parce qu'on s'attend pas à avoir un niveau comme ça. Alors, je ne pense pas que ce soit des ennemis ces trucs là. Je vais remettre le casque de Vrex. Hop, il est comme ça. Il est un peu moche, quoi. Il me fait penser à un Big Daddy dans BioShock. Elle vient d'où la roquette là qui m'a touché? Il y a encore plus un poisson. Allez, merde! Putain, je l'ai raté. Quoi, cette blague? Bon, j'avance plutôt tranquillement là. Ah merde, j'ai pas réussi à l'esquiver. Waouh! Là j'ai réussi. Ah, c'est des... C'est pas des bestioles. Bon, est-ce que c'est vraiment la planète de Vrex? Je ne sais plus. D'ailleurs, ce décor me fait aussi un petit peu penser à Halo, le tout premier, sur la map du début du jeu. Wow. On va avancer doucement là, on va reculer.
Est-ce qu'il y a de... Non, il n'y en a pas d'autres là. C'est toi le crabe. Je trouve dessus. Là, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un brouillage radar et du coup... on voit pas les ennemis sur la map. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour le moment. Pas trop de soucis. À toute Matalia. Ah, il est solide celui-là. Merde. Fais le con. Ah, il m'a touché. Allô. Il y a un sniper là-bas. Voilà. C'est où tu vas au moins? Pas du tout. Je suis le chemin, c'est tout ce que je fais. Ah, les guettes. Je savais même pas que ça allait marcher dans le fait de leur rouler dessus. En tout cas, je dois détruire les tourelles anti-aériennes. Elles sont affichées sur la map là. Je pense que c'est les gros trucs qu'on voit. Sur le radar. À moins que ce soit les Colossus Gate que je dois détruire. Oh, raté, t'es trop nul. Voilà. What? C'est qui m'avait en cible? Coucou toi, je t'ai vu. Merde. On a une surchauffe. Allez, meurs. Merci. Du coup, on va continuer sur la droite là. J'avais l'air d'avoir un truc. C'est notre cible, commandant. Facile. Ah, y'a un connard là. Bon, y'a plus personne. Ah non, je crois pas que ce soit la planète de Vrex, hein, où il va y avoir un rapport avec le fait de, les, de ça va avoir un rapport avec l'histoire de Vrex, peut-être. On sort les armes. Oh, ils ont des lance-roquettes. Attention. Ça rigole pas. Wow. Ah d'accord. Un super connard. Hop, donc ouais, c'est ça. On va désactiver les bidules là. La voie est libre, commandant. On approche de la base galarienne. Terminé. Attends, j'ai monté de niveau. Augmenter comme ça. Euh...
Toi, qu'est-ce que je vais faire? Armure tactique, allez, vas-y. Et toi, mon petit Vrex, augmenter ton fusil à pompe. J'attends votre signal, commandant Shepard. On va voir sa famille. Je ne pense pas. Regarde, il y a un autre truc à faire. Qu'est-ce que j'ai pas fait ici? Ah, j'ai dû ouvrir les portes. Je crois que c'est je vois le truc en haut. Ah, peut-être pas, hein. Vrai que c'est pas très causant. Il y a un truc là-bas à récupérer. Je serais passé à côté si, ouais, si je serais passé sur la droite là. J'ai récupéré une arme qui s'appelle Katana. Elle est où cette arme? Ah, c'est le fusil à pompe. On va mettre à Vrex. Ah bah il a mieux. Enfin, ouais. Je vais lui mettre. Et Garus. Je vais le prendre pour moi alors ça. Pas de meilleur fusil. Par contre j'ai pas mal de sous hein. Je commence à être assez riche là. Il va falloir vraiment que je fasse les magasins. Surtout acheter des meilleures armures. Parce que là ce que j'ai c'est vraiment de la merde. Alors, je vais sauvegarder. Je prends vraiment mes précautions. Je veux plus que ça crache là. Oh, ah oui, c'est le Normandie, j'ai eu peur. Oh putain. Il y en a un là-haut, je t'ai vu. Petit cachotier. Waouh. Ça va être très bien qu'il y en avait un. M2. Bordel. Ah, c'est pareil. C'est un peu répétitif là, mais bon. Oh, il a pris cher. Avec Garus et Vrex dans l'équipe là, je pense que je vais retirer Tali. Parce qu'en plus, Garus. Il a les mêmes compétences de décryptage que l'autre là, Tali. Je pense que je vais garder cette équipe. Attention, après la plombe, ça a l'air calme, mais on va se faire canarder. En avant. J'attends vos ordres. Attends, il y a un truc à récupérer ici. Voilà, c'est costaud. Eh merde! Allez, on a le champ libre. Ah! Je vais pas y arriver. Allez. On perd de l'omnigel, c'est pas grave. Voici, il n'y a rien sur la colonne de gauche. Et je pense que si j'ai un choix à faire, je vais pas vous le dire. Mais je peux pas vous le dire en fait. Je crois que c'est dans cette mission. Je vous le dirai à ce moment-là. Là, j'ai gros suspense. Commandant, le Normandie s'est posé dans la base, mais on dirait qu'on est cloué au sol. Le capitaine Galarien vous expliquera tout à votre arrivée. D'accord. On arrive. Vitesse turbo. Kangourou. C'est le camp. C'est vrai que ça a l'air de connaître le camp. Et maintenant, on fait quoi?
Vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan. C'est vous le responsable ici? Quelle est la situation? Je suis le capitaine Kira, unité spéciale du 3e régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons antiaériens à 15 km à la ronde. Manquait plus que ça. Et maintenant? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au conseil. C'est nous les renforts? Quoi? C'est tout? C'est toute une flotte que j'avais demandé. La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici, mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guettes. Saren est là? Vous l'avez vu? Non, mais ces guettes sont partout, et les communications que nous avons interceptées semblent confirmer sa présence. Ce centre lui appartient, aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que Saren prépare? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Comment c'est possible? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Aha! Un remède au génophage? Quel intérêt? Le génophage a mis un terme au problème Krogan. Après la rébellion, nous avons inoculé le génophage à la population Krogan pour l'empêcher de se multiplier. Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie. Et ces Krogan-là sont à la botte de Saren. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Le détruire? Hors de question. Mon peuple est au bord de l'extinction. Ce remède pourrait le sauver. Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan. Je refuse de répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas une erreur. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Ne vous inquiétez pas pour ça, capitaine. C'est mon boulot de m'inquiéter, et c'est pour ça que je suis toujours en vie. Vous feriez bien d'aller parler à votre Krogan. Mes hommes et moi avons un plan d'attaque à préparer. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une des tentes à côté. On dirait que les choses se compliquent sérieusement. Ouais. Mais c'est surtout Vrex qui m'inquiète. À mon avis, il est à deux doigts de disjoncter. Vous pensez que je devrais aller lui parler? Ça pourrait le calmer, ou le faire exploser, au choix. Allez-y avec des pincettes. Je ferai attention, mais tenez-vous prêt. Juste au cas où. Pas besoin de me le dire. Pauvre Vrex. What? Quoi ce bruit? Ça va, Vrex? C'est pas possible, Shepard. S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. Calmez-vous, Vrex. Ne vous trompez pas d'ennemis. Gardez votre colère pour Saren. C'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage. Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple. Il va falloir m'aider, Shepard. Au point où j'en suis, mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis. Ce n'est pas un remède, c'est une arme. Et si Saren parvient à l'utiliser, ce n'est pas à vous que ça profitera, ni à nous. Mon peuple est déjà condamné. À ce stade, la prudence est un luxe. Si c'est tout ce que vous avez à dire pour justifier la destruction des espoirs de mon peuple, autant en finir tout de suite. Je ne vous laisserai pas mettre la mission en danger. Je vois. Après tout ce temps, c'est comme ça que vous me considérez. Comment pouvez-vous ne pas voir ce que ça signifie pour les Krogan? Vous ne détruirez pas cette base. Je ne vous laisserai pas faire. Vrex, s'il vous plaît. On va discuter de tout ça tranquillement. Assez parlé, Shepard. Je vais régler ça à ma façon. Non! Non! Non, 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 je recommence. Je ne crois pas à la... Non, ta gueule, connasse d'Ashley. Tu vas le payer un jour ou l'autre. Oui. Non. C'est laquelle la plus récente? 7h34, 7h48. J'en ai rien à foutre.
Vrex ne mourra pas. Putain, mais quelle connasse cette Ashley. Non, Vrex restera. C'est mon ami Vrex. Non mais oh. Faut vraiment trouver les bonnes choses à dire à Vrex en fait. Ah, ça m'énerve. Allez. C'est bon, ça c'est fait. Ah, il y avait un truc à récupérer ici, j'ai oublié. Reste là. Et merde, je vais encore pas y arriver. Ah, je suis trop stressé là, à cause du truc de Vrex. Je pense que oui, je vais pouvoir m'attaquer. C'est juste que j'avais oublié ce truc en fait. C'est juste que quand j'ai vu Vrex sur le bord de la plage, je m'en suis souvenu, mais j'avais complètement oublié avant. Là, de toute façon, ça va, j'ai pas grand chose à faire. Heureusement que j'ai sauvegardé, sinon ça aurait duré 10 minutes de plus pour y retourner. Du tac, snipe, des tacs, eh oui. Avec là, avec Vrex, il va falloir être prudent. Le Normandie s'est posé dans la base, et on dirait qu'on est cloué au sol. Le capitaine Galarien vous expliquera tout à votre arrivée. Hey Coco, Power Ranger, voiture kangourou. C'est Spider-Man en fait. C'est le camp. C'est le camp. On va sauvegarder ici. Et pourtant, je pensais lui avoir bien parlé, quoi. Mais c'est vrai que s'il est trop susceptible. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, ta gueule. Vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan. C'est vous le responsable ici? En plus. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Et qu'est-ce qu'on reste en position? Quoi? C'est tout? C'est toute une flotte que j'avais demandé. Et cette enquête, la base d'opération de Saren. Hop. Ce centre lui appartient. Aucun doute là-dessus. Comment c'est possible? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie. Comme s'il était... Absolument. Si le remède quitte cette planète... Nous ne sommes pas une erreur. Enculé. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Il se tiendra. Mes hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque. Laissez-nous un peu de temps, d'accord? On dirait que les choses... Ouais. Mais c'est surtout Vrex qui m'inquiète. Laissez tomber. C'est vous le patron. Eh, hey, c'est moi le patron. Hein. T'as intérêt à rien faire, toi, sinon je t'éclate ta gueule. Allez, viens là, mon copain Vrex. Je vais sauvegarder ici. Pauvre Vrex. T'inquiète pas. Ah, c'est lui qui tirait tout à l'heure. D'accord. C'est pas possible, Shepard. S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. Calmez-vous, Vrex. Ne vous trompez pas, c'est pourtant ça. Il va falloir m'aider, Shepard. Au point où j'en suis. Mais ce n'est pas le peuple est déjà condamné. À ce stade, la prudence est un luxe. Si c'est tout ce que vous avez à dire pour justifier la destruction des espoirs de mon peuple, vous ne détruirez pas cette base. Je ne vous laisserai pas faire. Saren se moque de ces Krogan. Ce ne sont que des outils, des pantins. Il les exterminera dès qu'ils ne lui seront plus utiles.
C'est ce que vous voulez pour votre peuple ? Non. Nous avons été les instruments du Conseil autrefois. Et pour nous remercier d'avoir éradiqué les Rachnis, ils nous ont stérilisés. Je ne pense pas que Saren fasse mieux. Très bien, Shepard. Vous marquez un point. Ah. Je n'aime pas ça, mais je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre. Merci, Vrex. Juste une chose. Quand on trouvera Saren, je veux sa tête. Pas de souci. Je lui arracherai avec plaisir. S'il faut y aller, autant pas perdre de temps. Oui, tu as raison, Vrex. C'est quoi ça? Ça m'étonne que le Krogan se soit laissé convaincre. Ah, c'est l'autre. Mais t'es un connard, toi. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre le pauvre Rex? T'inquiète pas, Rex. Moi, je suis avec toi. Vous avez réussi à avoir une conversation sensée avec un Krogan. Je suis impressionné. La manière dont vous avez apaisé le Krogan est digne d'éloge. Mais c'est vrai, Rex. Il est compréhensif. Il est juste un petit peu... susceptible. Merci d'avoir parlé avec le Krogan. L'assaut sur la base de Saren promet d'être assez compliqué comme ça. Vous avez donc élaboré un plan? En quelque sorte. Nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, Saren va le sentir passer. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque-là? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied? On n'est pas assez nombreux. Parfait. De toute façon, je préfère une bonne vieille bataille rangée. Ce ne sera pas aussi simple. Nous n'avons pas assez d'hommes pour une attaque frontale. Je vais répartir mes hommes en trois équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. C'est une bonne idée, mais vos hommes vont se faire massacrer. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. Il nous faut quelqu'un qui connaisse les protocoles de transmission de l'Alliance. Je suis volontaire, commandant. Non. Pas si vite, lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les Galariens. Ouais. Avec tout le respect que je vous dois, artilleur, ce n'est pas à vous de décider. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « avec tout le respect que je vous dois », j'entends ta gueule? Prenez Ashley, parce que c'est une mission suicide et j'espère qu'elle va crever. Williams, vous accompagnez le capitaine. Pas de fantaisie, compris? Oui, commandant. On va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. Vous avez des questions, commandant? Je suis prêt. Allez, en piste. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. C'est l'heure de vérité. Ne prenez pas de risques inutiles en mon absence, lieutenant. Et vous non plus, commandant. Vous verrez, ça va aller. J'espère que tu vas crever. Sans doute, mais je... Bonne chance. Vous vouliez dire quelque chose, Ash? Je ne sais pas. Ça me fait bizarre de passer sous les ordres de quelqu'un d'autre. Je m'étais habitué à travailler avec vous. Avec vous tous. Ne vous inquiétez pas, on se reverra. Ou pas. Je sais. Et... ça a été un honneur de servir sous vos ordres, commandant. Quoi qu'il arrive, je veux que tout le monde tire dans le tas. On leur rentre dedans, on frappe vite et fort, et on ne laisse qu'un champ de ruines sur notre passage. Pigé, commandant. Vous connaissez tous la mission et ses enjeux. Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée. Pensez à nos héros, Pied Léger, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelle, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie. Bonne nuit, Audrey. Si nous avons vaincu les Rachni, si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race tout entière. Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité.
Aujourd'hui, nous allons montrer à Saren ce qu'est l'influence galarienne. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. Bonne chance, commandant. J'espère que nous nous reverrons. L'autre là-bas, il se barre. Rex. Garrus. Meilleure équipe du monde. Super chaussures. Test de communication. Vous me recevez, commandant ? 5 sur 5. Parfait. On va pouvoir lancer l'assaut. On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens, mais ça sera sans doute à vous de finir le travail. Au fait, commandant, si... Je pense qu'après cette planète, ce sera la fin du live. Petite sauvegarde au tour. Insertion ombre confirmée. Ça fait plaisir. Insertion ombre confirmée. Artilleur Williams avec l'équipe Egor. L'équipe Manova et Gito en avant. Montrons-leur qui on est. Oh, la roquette là. Manova essuie des tirs croisés. Les guettes doivent avoir des tourelles longue portée en plus. C'est vrai que c'est un lance-roquette. Son fusil à pompe qui fait ça quoi. Trop résistant cela. Colonnada. Encore quelqu'un. Transmission guette interrompue. Voilà. Merde, merde. Voilà. Bon, déjà une tourelle en moins. Par contre, je sais pas trop où je dois aller. Quelque chose a brouillé leur système de visée. Ils sont vulnérables. Artilleur Williams, protégez Manovai. Je sens que là. Voilà, je m'en doutais. Go, 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 go. Eh, viens là, Garrus. T'es à côté de moi. Tiens, merde. Viens, je te soigne. Donc c'est par là qu'il faut aller. Oh, putain. Tu m'attendais pas à ce drone. Attaque satellite. Geto, surveillez les stations de transmission. Williams, vous voyez quelque chose ? C'est vrai que peut-être qu'en voiture, ça aurait été plus pratique. Ouais. Viens mourir, s'il te plaît. Merci. Livreur satellite interrompu. Garrus est tombé au combat. C'est moi, c'est un Krogan. Il y a un Krogan. Copain Krogan. Il est un peu con. Ah, petite sauvegarde auto, que se passe-t-il? Je sens que ça va être chaud ici. Aux stations périphériques, à couvert avant qu'ils reviennent. Ils sont vraiment cons là. Cool, on a monté de niveau. Ah merde, pourquoi je vais dans l'équipement? Ça ressemble à une attaque suicide. Bah un peu quoi, on attaque la base de Saren. J'aimerais bien faire plus de dégâts. Voilà. C'est pas de refus.
il a pris cher, lui. Ah, j'ai plus de grenades. Putain, il a récupéré toute son énergie. Putain, vrai que il a pas été de main morte. Krogan contre Krogan. Je peux pas tester Vrex. Alors, tout prendre. S'il y a rien, c'était juste pour les objets. Ok, allez, on se tire. Ici, ils montent tous de niveau. Hein. J'ai augmenté que... Ah oui, j'ai augmenté que mon perso. Je sais pas pourquoi. Électronique, ça peut être pas mal contre les monstres de type comme de type électronique, genre les guettes et autres machines. Donc je pense que j'ai augmenté l'électronique de Garus aussi. Ah, il y a un mode là qui a Mavrexor. Ton fusil à pompe. Donc, il y a un mode qui avait l'air vraiment pas mal. Incendiaire. Tant pis, je perds en précision. C'est pas grave. Bah, je joue rarement au snipe. Soigne Garus, ouais. Mais le problème, c'est que Garus, là, il a... Merde, je me suis trompé, j'étais une grenade. Garus, il a un équipement un peu pourri, son armure surtout. Ouais, la celle du début du jeu. Et j'en ai aucune à lui donner pour le moment. Donc il va souvent prendre cher. C'est bizarre cette zone. J'ai pas confiance. Oh, un autre spider. Oh, cette roquette. Ah, ça fait bizarre maintenant que j'ai changé de mode. J'ai carrément l'impression d'avoir changé d'arme. Oh, il nous fonce dessus. Armure légère et tout ça. Ça se trouve, j'ai ramassé une armure pour Garus depuis tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Ah bah voilà. Il suffisait de demander. Toujours rien pour Vrex et pour moi. Je vais mettre ça. C'est la même, c'est juste au niveau des stats que ça change. Ah bah déjà Garus. À mon avis, il va être content. Ah, ça doit être des medikits. Je maintiens ma position. Geto en formation. L'équipe ombre ne doit plus être loin. Ah non, même pas. Mode de munitions et mode d'armes. Bon, on est plutôt bon là. Okay. J'aime beaucoup ce passage du jeu en plus. Ça nous met bien dans l'action. Comparé à ce que je faisais tout à l'heure dans le vaisseau. D'ici, on a accès à la sécurité de la base. On devrait pouvoir couper les alarmes. Peut-être même déclencher celles de l'autre côté de la base. Ça nous débarrassera des gardes. Mais ça risque de faire beaucoup pour les galariens. Ils vont y arriver. Williams va gérer. Réduisez la présence des gardes dans la base. J'espère qu'ils sont prêts. Williams, prends ça dans ta gueule. Raciste. En plus, t'as tué Vrex. Pris pour qui, là? Oh, putain. Ils prennent trop cher. Donc, eux, ce sont des soldats qui... Le capitaine Kira nous a dit qu'il avait perdu des hommes. En fait, on tue ces hommes qui sont manipulés comme Benetia.
par Saren. Eux, ils sont super résistants. Et ils ont un lance-roquette. On va laisser le temps de tirer. Pas du tout où je vais. Hein. Eh oh, y a quelqu'un? Oui. Celui-là. Monsieur. Non, faut sauver la race de Vrex. Oh putain, faut essayer de trouver le vaccin. Enfin, le remède. Des renforts, Morgan. Cheto, maintenez votre position. Bon sang, on va se faire prendre en tenaille. J'espère que tu vas crever, connasse. Tout prendre. Et merde. Ah, j'ai perdu trop de temps, je vais pas y arriver. Pas grave. Hop. Ah, si je veux, je pouvais prendre l'ascenseur, mais je préfère fouiller. Qu'est-ce que vous voulez ? Les zones avant. Mais vous êtes de l'Alliance, c'est ça? Je savais que quelqu'un viendrait. Il a essayé de me briser, mais il n'a pas réussi. Je l'ai empêché. Personne ne bouge tant que je n'ai pas obtenu des réponses. Oui, chef. Soldat Menos Avot du 3e régiment d'infiltration, chef. Capturé en mission de reconnaissance il y a 6 jours, chef. Ces enfoirés n'ont même pas posé de questions. Des murmures, des coups, des blessures, c'est tout. J'aurais dit n'importe quoi pour sortir et me venger. C'est pas trop demandé, si? Une petite vengeance! Vous pouvez m'aider ou je vais devoir vous traîner dehors? Je vais vous suivre à la trace. Je veux juste sortir, être loin de ces murmures incessants. Ça fait des jours qu'ils diffusent ça non-stop. Il y a quelque chose de louche, Shepard. Il ne fait pas partie de la mission. Non, je veux sortir. C'est trop petit ici et ça prend tout le temps. Non, t'es endoctriné. Et puis j'ai des trucs à faire. Je veux sortir. Allez, laissez-moi sortir. Vas-y, on va te tuer et au pire des cas, ça nous fera de l'expérience. Oui, vous allez voir, je suis très fort pour obéir aux ordres. C'est sûr, j'arrête pas de les entendre. Pourquoi ils les répètent tout le temps? Ils sont simples pourtant. Tellement simples. Je le savais qu'il fallait qu'il allait devenir fou. De nous tuer. Ah, ça fait de l'expérience. Alors ça c'est fait. Ah. Y'a des connards. Super connards. Oh oui c'est eux. Oh. Ah, j'aime bien avec ce mode comment les ennemis disparaissent. C'est classe. Ils se brûlent. Tu vois, il y a un truc caché ici. Ça sentait le truc caché. À 3000 pièces quand même. Ouvrir. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Un truc à activer. Non. Voilà, on part en arrière. On va prendre l'ascenseur. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Attendez, j'ai pas compris le délire, là. C'est moi qui ai bugué, ou... Ouais, j'ai pété un plomb. Je deviens fou, moi aussi. Je suis endoctriné, ça y est. On va prendre cet ascenseur, là. Qui est là et on va voir où est-ce qu'il va nous emmener. Alors je vais juste faire, je peux pas sauvegarder. Ah oui, on peut pas sauvegarder dans un ascenseur, c'est vrai, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais non, un ascenseur est mort.
Elle est bien moche ton armure, Garrus. Allez. Y'a des zombies. Comment ils l'ont envoyé, voilà. Meurs. What? Ah, j'ai cru que j'étais mort. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les gars? Où est sa reine? Un truc caché ici, non? Allez, on ramasse tout. Est-ce qu'on va réussir à trouver le remède? Je sais pas si... Enfin, c'est pas la mission qu'on a, mais... Ça pourrait être cool de pouvoir sauver la race des Krogan. Nous devons mettre fin aux agissements de Saren. Ouais, et toi tu dis quoi? Saren doit payer parce qu'il a fait subir mon peuple. Ah là, Brex. Je t'aime, Brex. Même si t'es pas très beau, c'est marrant. Les copains, à droite ou à gauche? Ouais. Apparemment, c'est pas par là. Hein. Oh putain. Ok. Putain, elle est trop bien cette arme. Je leur fais trop mal. Pourquoi je suis accroupi? Ah d'accord, j'appuie sur contrôle. Ne tirez pas, je vous en prie. Je veux juste sortir de là avant qu'il soit trop tard. Dites-moi, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Ranatanoptis, neurologue. Mais je ne veux pas mourir, ou pire encore, pour ce boulot. Vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers? Un jour ou l'autre, Saren voudra me découper le cerveau en rondelles, à moi aussi. Je croyais qu'on était dans un centre d'élevage. Pas à cet étage. Ici, on étudie l'effet de Sovereign sur les cerveaux organiques. Du moins, c'est ce que je croyais. Saren nous a laissé dans le flou. Vous l'avez aidé et vous ne savez même pas pourquoi? Je ne pouvais pas négocier. J'ai signé un contrat à durée plus indéterminée que je l'imaginais. Mais je peux vous aider. Cet ascenseur derrière moi mène au labo privé de Saren. Je peux vous faire entrer. Vous voyez? Accès total à tous les dossiers privés de Saren. C'est bon, je peux partir. Qu'est-ce que vous étudiez ici? C'est ce vaisseau Sovereign. Il émet une sorte de signal indétectable, mais bien réel. J'en ai vu les effets. Saren l'utilise pour influencer ses partisans, pour les contrôler. C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement. Une exposition directe au signal vous transforme en esclave décérébré, comme les cobayes galariens. Mais il y a des dommages collatéraux. Parlez-moi de ce signal. Signal, ce n'est pas tout à fait le mot juste. Il y a une espèce de champ énergétique qui émane de ce vaisseau et qui agit sur la structure de la pensée. Avec le temps, quelques jours, une semaine parfois, il affaiblit votre volonté. Vous devenez plus facile à manipuler et à contrôler. Mais ça entraîne une dégénérescence. Il y a comme un système de vase communicant entre le niveau de contrôle sur le sujet et le degré d'utilité du sujet lui-même. Plus le sujet perd de liberté, plus il perd de capacité. Vous allez choisir son destin. Je la tue ou qu'entendez-vous? Je la laisse en vie. Le signal de Sovereign est trop puissant. Si vous passez du temps près de lui, vous sentirez une sorte de picotement au niveau de la nuque. C'est comme un murmure à peine perceptible. On se sent obligé de faire certaines choses sans savoir pourquoi. On obéit, un point c'est tout. Bah. Et on finit par arrêter de penser par soi-même. Tout le monde est touché. Elle a travaillé pour sa reine. Mon premier cobaye, c'était le type que je remplace. Je veux sortir de là avant que ça m'arrive. Bon. Bah, je crois que je vais choisir. Hmm.
Vous êtes libre. Je vais tout faire sauter. Si vous voulez vous en tirer, il va falloir piquer un sprint. Quoi ? Adrien, première réponse, premier servi. Ça vous a plu, hein, commandant ? Ouais. Alors. Merde. Putain. Je vais encore utiliser les hommes d'hygiène. Tout fendre. On peut compter sur les galariens. Montrons-leur qu'ils peuvent aussi compter sur nous. Je suis un psychopathe, moi aussi. T'es où, Garen? Non, pas Garen. Si, Garen. Alors d'après vous, quel est l'ennemi ? Là-bas. Oh, une balise. Une autre balise, comme celle d'Eden Prime. Eh ouais. D'après vous, juste comme ça, quel est l'ennemi du jeu ? Juste histoire de d'avoir Saren, oui. Donc oui, d'après vous, quel est le méchant du jeu ? Une vision de plus. Nous devons mettre fin aux agissements de Saren. Oui, camarade. Je vais réduire cet endroit en poussière. Mais non, Brex. J'ai un mauvais pressentiment. Vous n'êtes pas Saren. C'est quoi ça ? Une espèce d'IV ? Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit à tâtons, du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Je ne crois pas que ce soit une IV, non. Il existe un plan d'existence éloigné de vos perceptions, que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom. Ce n'est pas un vaisseau de moissonneur que Saren a trouvé, c'est un moissonneur tout court. Moissonneur. Un nom donné par les Protéens pour incarner leur destruction. Qu'importe leur sobriquet. Nous sommes, et c'est ainsi. Les Protéens ont disparu il y a 50 000 ans. Vous ne pouviez pas être là. C'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique, un accident. Vos vies se mesurent en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels. L'apogée de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes l'accomplissement. Vous ne me faites pas peur. Quel que soit votre plan, il échouera. J'y veillerai personnellement. Assurance et sœur d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle ? Quel cycle ? Il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent. Et arrivées à leur apogée, elles meurent. Les Protéens n'ont pas été les premiers. La citadelle n'est pas leur œuvre, pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres ? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons.
Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution organique. Vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre volonté. Ils nous moissonnent. Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin et ils nous détruisent. De quoi avez-vous besoin ? D'esclaves ? De ressources ? Ma race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation, indépendante, sans faille. Vous êtes incapable d'appréhender ne serait-ce que notre nature. De quoi avez-vous besoin ? D'esclaves ? De ressources ? Ma race transcende votre compréhension. Mais bon, on a compris. Pas la peine d'être répété. Je peux pas le passer. Vous êtes incapable d'appréhender ne serait-ce que notre nature. D'où venez-vous ? Qui vous a fabriqué ? Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous sommes absolus. Des millions d'années après la chute de votre civilisation, nous subsisterons. Où sont les autres moissonneurs ? Vous êtes le dernier de votre espèce ? Nous sommes légion. L'heure de notre Anonymous. Nous assombrirons les cieux des mondes. Vous ne pouvez échapper à votre destin. Vous n'êtes qu'un simulacre de vie. Une machine, ça se détruit. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis le souffle de votre destruction. Un petit problème audio là. Commandant, on a un problème. Déballez-moi tout, Joker. J'adore les mauvaises nouvelles. C'est ce vaisseau, là, Sovereign. Il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous, et vite! Vous feriez mieux de vous tirer de là! Cette console ne marche plus. Vos ordres, commandant Shepard? On a ce qu'il nous faut. On se dirige vers le centre d'élevage. Joker passera nous prendre quand on aura posé la bombe. Allez, on se tire. Du coup, ouais, je veux bien, mais la bombe, on la pose où ? Tu penses que c'est Sovereign le méchant ? Je vous dis bonne nuit tout le monde. Ok, bonne nuit à Yato. Merci d'être passé. Oh. Ouais. Les gars font demi-tour. Shepard ne doit plus être loin. Jeto, encerclement. A plus, Ayato. Il est vraiment efficace ce mode que j'ai mis là. Mon arme, c'est la même. Ça doit être par là parce que là j'ai pas ramassé donc compétences. Ah, il me faut en électronique, ça tombe bien, j'ai monté de niveau. Commando, donc en électronique, Garus. Ah, ça va peut-être pas être assez. Ouais, moi tant pis, c'est dommage. Cette tourelle pourrait faire de jolis trucs. Ah, je n'aime pas. Je bouge trop vite. Moi, comme j'ai dit, hein, je termine cette planète. D'ailleurs, on est bientôt à la fin. Voilà. Si je me souviens. Oh putain. C'était où le dernier point de sauvegarde ?
Ça va, donc c'est quand on venait de parler à Sovereign. Putain, j'ai eu de la chance qu'il y ait une sauvegarde automatique. Je me suis pris une roquette dans ma face. Ça a fait mouche. Donc il reste qui sur le chat là du coup? Parce que je vois qu'on est 4 connectés. Il y a Adrian, je crois. Et après, je sais pas pour les autres. Les 4 font demi-tour. Shepard ne doit plus être loin. Geto, encerclement. Bon, du thème à ta vie. Juste rater un truc très important. Grosso modo, le vaisseau Sovereign, on croyait que c'était juste un vaisseau et on a appris qu'en fait non, c'est une entité qui réfléchit d'elle-même et elle veut détruire elle veut faire du mal, on sait pas ce qu'elle veut exactement, mais elle n'est pas très gentille. Sur l'assaut. Je regarderai le replay. Blague, pas de soucis. Alors je vais sauvegarder là. Parce que tout à l'heure, la roquette, elle est bien arrivée dans ma face. Ça m'a one shot. Cette tourelle. Donc là-haut, là. C'est lui, je crois, qui m'a eu. Un autre. Là, il va falloir tout le temps être en mouvement. Toi, le Krogan. Voilà. Ah, Garus is dead. C'est bon, il est à la vie. Il est à la vie. Il revient à la vie, plutôt. Là, le live est vraiment bientôt terminé. Même si je continue de failer, mais ça devrait le faire, je pense. J'espère en tout cas. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? On va poser la bombe ici, peut-être, non? Je sais pas, ça clignote, c'est bizarre, ça m'intrigue. Du coup, ouais, c'est génial, je suis venu là, mais... Je fais quoi ensuite? Ah, voilà. Attention, ils nous ont suivis. Oh putain. Waouh, waouh, waouh. Doucement, les copains. Merde, j'ai jeté ma grenade à travers. Allez, on y croit. Voilà le canon. Éliminez les guettes. Bon, on a fait un petit ménage là, ça a été vite fait. Charge posée, à couvert, vite. Ah, on va poser sa bombe elle aussi.
Ah, attendez. Ah merde, je peux pas sauvegarder. Ah, parce que je me souviens d'ici. Wow, beau travail. Un problème de moins. Commandant, nous sommes en app. Pourquoi je vais nous poser aussi près du site que possible. Pas sauvegarder, s'il vous plaît. Putain, ils veulent pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe? La bombe est en place, commandant. On est tous prêts. Commandant, vous me recevez? La bombe est presque prête. Rejoignez le point de rendez-vous, Williams. On est coincé à l'extérieur de la base. On est à l'entrée de derrière, mais on se fait aligner. Le capitaine Kira est mort. On ne sera jamais au point de rendez-vous à temps. Tenez bon, on va vous chercher. Négatif. Débrouillez-vous pour poser cette bombe. On les contient tant qu'on... Ça va aller, commandant. Il me faut quelques minutes pour finir d'armer la bombe. Allez les chercher et retrouvez-moi ici. On va à la tour. Allez. Je vais essayer de la sauver. Normalement, je peux la laisser crever si je veux. C'est vrai que j'ai jamais terminé le jeu avec toute mon équipe. Ça va être l'occasion de le faire. Ah, pour le moment, oui, elle est vivante. Elle résiste. Alors, est-ce qu'on va arriver à temps pour la sauver? Normalement, en fait... Mais putain. J'ai failli mourir. Non, mais vraiment pas précise par contre. Raté, bande de nazes. Ah non. Ils ont la même armure que Vrex, je les ai confondus les deux. Donc je disais, oui, normalement, je peux la laisser mourir si je veux. Mais c'est la première fois que je vais tenter de la sauver. Je suis en train de monter? Ah ouais. Salut Abby. Pas de mode tout seul sur le chat, s'il vous plaît. Merde. Fait partie des règles du chat. Parce qu'il est petit, donc du attention, coup, lieutenant. Tout le monde a des mots tout seul, mais je vais pas réussir à suivre vos conversations. Il est déjà là. Les guettes débarquent en masse sur la position. Vous pourrez les contenir? Ils sont trop nombreux! Je ne crois pas qu'on tiendra le choc jusqu'à votre arrivée! J'active la bombe! Bordel, qu'est-ce que vous foutez, Alenko? Je vais faire en sorte que la bombe explose, quoi qu'il arrive! C'est fait, commandant! Allez chercher Williams et fichez le camp d'ici! Négatif! On pourra se débrouiller! Retournez chercher Alenko. Eh bien, je vais sourire. Donc, en fait, on n'a pas le choix. Donc, je vais secourir Kaiden. Alenko, je vais pas sauver l'autre raciste là, qui aime pas les autres aliens. Sur le site de la bombe. Oui, commandant. Je. C'est la meilleure solution, vous le savez, lieutenant. Aucun doute là-dessus. Battez-vous jusqu'au bout, artilleur. Mourez en soldat. À vos ordres, commandant. Allez. On se casse. On laisse l'autre, elle va mourir. Kaiden, j'arrive. Allez, l'ascenseur. Ça va être ce qu'il a fait subir. Pas de soucis, Abby, t'inquiète.
du coup, en fin de compte, on va la laisser toute seule mourir. Voilà, brouillage. Des ennemis dans le coin? Bah oui, il y a des ennemis, il l'a dit. Wow, wow, wow. Eh merde! J'étais en train de me soigner en plus au moment où... Ah bordel, c'est où le dernier point de sauvegarde? J'espère que c'est pas Overrain là ou je sais pas quoi. Non, c'est bon. Ok, bon, c'est un peu chiant mais... Désolé, je... Fais de la merde. 2h30 de live quand même. Hein. Et avant ça, j'ai fait un autre live sur... Budokai 3. Heureusement qu'ils ont foncé sur Vrex. Allez, on se dépêche. Et on recommence. Désolé pour ce fail hein, de fin. Un peu dommage. Hein. Allez. Redites-nous le blabla. D'ailleurs, ça, je l'ai pas fait tout à l'heure. Ça va être quand je vais monter qu'il va y avoir le script. C'est ça. Les guettes ont relevé. Attention, lieutenant. On vient de revenir. Il est déjà là. Les guettes débarquent en masse. Ils sont... J'active la bombe. Je vais faire... Négatif. On pourra se débrouiller. Oui, commandant. Je... Accrochez-vous. Avant tout. Allez, hop, on s'en fout. J'arrive, Kaiden. Allez! Il est long cet ascenseur, genre quelqu'un l'a rappelé quoi, spécialement pour faire chier. Je pense que je vais sauvegarder juste avant d'ouvrir la porte là. Voilà, je peux sauvegarder ici, au cas où je fail encore une fois, j'aurai rien à refaire. Cours Shepard, cours! Récupérer de l'armure. Voilà, il a pris cher. Un autre. Get Prime, ça me fait penser à Optimus Prime. Prime. La fatigue. Allez, merde. Voilà. Toi, Kaiden. Il en reste encore. Commandant, lancez le compte à rebours et partez. On ne peut pas les retenir. Portez. Okay. Tir de suppression. Couvrez le flanc. Couvrez le... Et là, et voilà. Voici Saren. Félicitations, Shepard. Mais Gett était vraiment convaincu que les Galariens étaient la véritable menace. Impressionnante diversion. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que j'ai accompli ici. Vous ne pouvez pas comprendre les enjeux. Ce n'est pas sorcier à comprendre. Vous feriez n'importe quoi pour le pouvoir, y compris vous alliez au moissonneur. Rappelez-vous votre vision, Shepard. Plus que quiconque, vous savez ce dont les moissonneurs sont capables. On ne peut pas les arrêter. Ne vous enlisez pas dans une révolte futile. Ne sacrifiez pas tout au nom de liberté insignifiante.
Les protéins ont essayé de se défendre et ils ont été détruits jusqu'au dernier. Des billions de morts. Mais s'ils s'étaient inclinés devant les envahisseurs, que serait-il advenu? Peut-être les protéins existeraient-ils toujours. La soumission n'est-elle pas préférable à l'extinction? Plutôt mourir que de vivre sous les ordres de ces machines. Maintenant, vous voyez pourquoi je n'ai jamais soumis mon plan au conseil. Les êtres vivants que nous sommes sont commandés par leurs émotions plutôt que la logique. On se bat même si on sait qu'on n'a aucune chance. Mais en collaborant avec les moissonneurs, en nous rendant utiles, imaginez le nombre de vies qu'on pourrait économiser. Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint Sovereign, même si j'étais conscient du danger. J'espérais que ce centre pourrait me protéger. Vous ne valez pas mieux que tous les pauvres gars du centre. Vous êtes un jouet de Sovereign. Il vous prend et il vous jette. J'ai étudié les effets de l'endoctrinement. Plus Sovereign exerce son contrôle, plus le sujet perd ses facultés. C'est ce qui me sauve. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai toujours toute ma tête pour l'instant. Mais le passage d'allié à serviteur peut être subtil. Je ne me laisserai pas faire. Sovereign vous manipule, et vous ne le savez même pas. Vous êtes déjà à sa botte. Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Mais regardez les choses en face. Vous êtes un pantin. Sovereign vous utilise, et ensuite, il vous jettera. Vous croyez pouvoir m'influencer, Shepard? Vous croyez que je n'y ai jamais pensé? Sovereign est une machine, et il pense comme une machine. Si je fais mes preuves, je serai une ressource qu'il faudra ménager. Il n'y a pas d'autre conclusion logique. Vous étiez un spectre. Vous aviez juré de défendre la galaxie. Et vous avez trahi votre parole pour sauver votre peau. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Vous ne comprenez pas. Sovereign sera victorieux, c'est inévitable. Ma décision est la seule valable si nous voulons survivre. Je forge une alliance entre les moissonneurs et nous, entre les êtres vivants et les machines. Ce faisant, je sauverai plus de vies que la galaxie n'a jamais portées. Mais vous voulez détruire mon œuvre. Vous voulez condamner notre civilisation tout entière à l'anéantissement. Pour cela, vous méritez de mourir. Oula, c'est énervé d'un coup là. Voilà, c'est un peu le bouffon vert. Bien joué Vrex pour ta roquette. Alors je devrais pas avoir trop de mal à le battre là. Parce que c'est une zone assez ouverte. Voilà. Normalement je l'ai eu. Et donc, on va avoir un débriefing de la mission, comme d'habitude. Cache y soit resté. Comment on a pu la laisser là-bas? C'était un bon soldat. Williams connaissait les risques. Elle a donné sa vie pour nous sauver. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas elle? C'était mal. Oh, vu qu'on essayait de le draguer, je ne pouvais Désolé, pas. Désolé, Kaidan. Je ne vous aurais jamais laissé derrière. Je ne pouvais pas. Vous le savez bien. Je sais. Et je vous en suis reconnaissant, mais... Ash est morte. Et c'est ma faute. Notre faute. Nous la vengerons. Reprenez-vous, soldat. C'est Saren qui a le sang de Williams sur les mains. Attendez qu'on trouve cette crevure de Turien. Oui, commandant, je... On la vengera. Commandant, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai eu une idée. Je crois que la balise dans la base de Saren est similaire à celle d'Eden Prime.
Elle a peut-être ajouté des éléments manquants dans votre vision. Je peux vous aider à les assembler. Vous voulez joindre votre conscience à la mienne, c'est ça? Allez-y. Détendez-vous, commandant. Content. Je n'aurais jamais pensé que ces images puissent être aussi nettes, aussi vivantes. Accordez-moi un instant pour me saisir. Dépêchez-vous. Nous n'avons pas le temps. Reprenez-vous et dites-moi ce que vous avez vu. C'est un appel de détresse. Un message envoyé dans tout l'Empire protéen, en guise d'avertissement contre les moissonneurs. Mais il est arrivé trop tard. Et le canal? J'ai vu d'autres images, des lieux, des endroits que j'ai vus dans mes recherches. Ilos. Le canal est sur Ilos. Voilà pourquoi Saren cherchait le relais mu. C'est le seul moyen de se rendre sur Ilos. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé d'Ilos avant? Le relais mu connecte des dizaines de systèmes et des centaines de planètes. Comment pouvais-je savoir que c'était Ilos qu'il cherchait? Sans l'énigma, les images de votre vision étaient confuses. Je viens tout juste d'y reconnaître des paysages typiques d'Ilos. Il faut aller sur Ilos. Vous n'y pensez pas? Le relais mu se trouve dans les systèmes Terminus. Les vaisseaux de l'Alliance ne sont pas les bienvenus là-bas, et les Spectres non plus. Le canal est sur Ilos. C'est là que se rend Saren. Et j'ai bien l'intention d'être là-bas pour l'accueillir. Saren mobilisera toute sa flotte autour d'Ilos. Vous n'atteindrez jamais le sol sans renfort. Il faut prévenir le Conseil pour qu'il mette une flotte à... Oh. Désolée. Le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Nous avons terminé. Rompez. Commandant, il y a une balise de transmission dans le coin. Je peux me connecter si vous voulez prévenir le Conseil. Au sujet de Sovereign. Établissez la connexion, Joker. Je dois les prévenir. Tout de suite, commandant. Commandant Shepard, ravi d'apprendre que votre mission sur Virmir a été un succès. Saren est déjà bien assez puissant sans une armée de Krogan sous ses ordres. Les Krogan auraient servi Sovereign. C'est un moissonneur. C'est ce qu'indiquait votre rapport, oui. Sovereign, machine douée de raison, véritable intelligence artificielle. Cette nouvelle est alarmante, si toutefois elle s'avère fondée. Sovereign existe, les moissonneurs aussi. Saren lui-même l'a avoué. Il joue avec vous, Shepard. Saren a toujours des contacts à la Citadelle. Il a sans doute lu vos rapports précédents évoquant votre vision et les moissonneurs. Il est tout à fait possible que Saren use de désinformation pour vous déstabiliser. Nos propres services de renseignement n'ont jamais obtenu d'informations allant dans ce sens. Un jour ou l'autre, il faudra bien que vous me croyiez sur parole, conseiller. Essayez d'envisager la situation selon notre perspective, commandant. Saren est un danger que nous pouvons évaluer. En revanche, pour le moment, les moissonneurs n'existent que dans votre vision. Nos décisions affectent des billions de vies. Nous ne pouvons pas agir sur les accusations d'une seule personne, même s'il s'agit d'un spectre. En tout cas, pas sans preuves tangibles. C'est précisément pour les cas comme celui-ci, où le Conseil ne peut agir officiellement, que les spectres ont été créés. Vous avez carte blanche. Si vous pensez réellement que Sovereign constitue une menace, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'arrêter en même temps que sa reine. Bonne chance, commandant. De notre part à tous. Et voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis donc, la prochaine fois, on ira sur Ilos. Du moins, on essaiera d'y aller. On verra si... nous avons des soucis ou pas. Et puis ben, je vous remercie tous d'être venus, c'était bien sympa, surtout en début de live et en milieu aussi. Mais après c'est vrai qu'il commence à se faire tard là, donc les gens ont commencé à partir un par un. C'est devenu un peu inactif, mais c'est pas grave, j'ai bien avancé dans le jeu,
puis bon, bah, y a la rediffusion qui est disponible pour ceux qui veulent suivre l'histoire et qui veulent revoir tout ça. Donc, je vous dis bonne nuit à tous. Et je vous remercie encore une fois. Et je vous dis à très 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 bientôt. Je pense que demain... demain après-midi... demain après-midi un live, mais demain soir, je ne pense pas. Parce que je suis pas chez moi. Donc voilà, demain je dirais 14h-15h pour ceux qui veulent une heure par là. Comme d'habitude, je vous tiens au courant sur le groupe Facebook. Allez, sur ce, passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et puis à demain. Ciao ciao tout le monde. Ouais, je sais plus si j'ai sauvegardé. On va recommencer. Allez, bye.